Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Wargame Studio, votre chaîne de reportage et tuto et live peinture. Ce soir, pour ce petit live, je vais être en compagnie de Manoué. Pour justement parler de divers sujets, on va commencer par la phase de qualification actuelle pour la sélection de l'équipe de France. De 40K. De 40K. On a greffé ce petit sujet justement sur ce live, puisque une des étapes majeures va commencer en tout cas ce week-end. On fera un petit tirage au sort rapide de cette première, de ce premier D2 en fait, de qui va affronter qui, justement en Ile-de-France, et aussi quel scénario sera joué. On va aussi avoir dans un deuxième temps toute une partie sur les French Wargame Day. On va parler du règlement d'Age of Sigmar. Ça va être assez rapide pour la partie AOS, puisque pour le coup, c'est des choses qui sont plus standardisées et moins complexes, on va dire, que pour la partie 40K, puisque dans un second temps, on va relire ensemble, justement, le règlement de Warhammer 40 000. Ensuite, on va parler justement d'un tout nouveau document qui va recenser les questions les plus couramment posées, justement, et c'est un document qui va vivre, puisque justement, les différentes questions qui sont très souvent posées viendront justement agrémenter ce fameux document. Ensuite, on va pour la première fois dévoiler et commenter ensemble les scénarios qui seront joués sur les quatre parties des French Wargame Day. Tu vas ajouter pas mal de petites précisions. Ensuite, tu laisseras ta place et ça sera Nico Prime qui viendra pour justement nous parler de toute la partie peinture, mais pas que, puisqu'on va aussi axer un petit peu cette partie-là sur l'aspect animation pour les visiteurs qui souhaiteraient justement venir au French Wargame Day. Et là, pour le coup, vous allez voir, on a pas mal bossé. Ça va vraiment donner de la matière aux personnes qui vont vouloir passer les deux jours avec nous. Je vais en profiter aussi pour remercier le régisseur de la soirée, à savoir Monarchesis. Et c'est une journée un petit peu spéciale pour lui, puisque c'est l'anniversaire de Marie-Ange Collin, hein, une fervente vieweuse de la chaîne. Donc voilà, bon anniversaire, madame. Plein de gros bisous pour vous par rapport à ça. Donc, est-ce que déjà le son est bon pour qu'on puisse commencer ce gros live qu'on va essayer justement de faire assez rapide pour qu'il soit facilement regardable, donc digeste, puisque je pense qu'il va intéresser pas mal de personnes. Par rapport au sujet qu'on ne va pas aborder ce soir, ça va être le déroulé détaillé des French Wargame Day. Et pour ça, on a déjà prévu de faire un live courant février. J'ai beaucoup parlé, Manoué. Déjà, merci à toi d'être là. Je remercie Renico Prime, qui est derrière la caméra, de nous rejoindre dans la deuxième partie. Et est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. L'année a bien commencé. On commence la deuxième phase des qualifs pour le TC, pour la team France de 40K. Donc ouais, ça se passe bien. On a passé les D3, maintenant on rentre dans les D2. Ça se passe relativement bien. D'accord. On va faire un petit point d'ailleurs du statut FEC pour savoir où est-ce que ça en est justement sur ces fameux D3, ouais. D2, D1. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que ça s'est passé? Quand est-ce que ça va continuer? Et on va dire quand va être la finale qui va nous permettre justement de sacrer la future équipe de France 2020. Je vais, juste avant de sortir le petit matos pour faire le tirage au sort, remercier Alexis Lhuillier qui nous a fait un message avant le début du live. Il disait « Salut les Wargamers, en retard ». Ouais. Gros bisous à toi Flav, merci pour le message, et aussi de Hugues Richer qui fait toss a coin to your Eevee. Merci pour tout le travail sur la chaîne, je t'ai envoyé mes photos pour le CD à 10 d'hier. Merci infiniment à toi Hugues, et je vais pas la chanter, toss a coin to your Eevee. Bon, passons. Merci. Je rappelle aussi qu'on sera en live demain avec Nico Prime à partir de 14h jusqu'à pas d'heure pour justement voir ensemble tout ce qui nous a été envoyé sur le choix des armes numéro 10. Donc j'espère, en tout cas ça va durer moins de 14h puisque la dernière ça a été un des lives les plus longs de YouTube. Ouh, attention. Donc voilà, ça a l'air ok au niveau du son, il y a eu plein de super images, super sons, merci à toi Jean-Louis. Il y a eu plein de bonnes ondes qui sont parties vers ta maman, mon petit Arkésis. Donc ça, c'est chouette. On va, avant de parler, comme je disais tout à l'heure, des French Wargame Day, parler un petit peu justement du sacre, en tout cas de la phase de qualification pour l'équipe de France de Warhammer 40 000. On a parlé très souvent de D3, D2, D1, mais qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le système pour qualifier l'équipe de France qui commence aux environs de mois de novembre et qui va jusqu'à la phase finale. Et à la phase finale, on saura quelle est l'équipe qui représente nos couleurs à l'ETC de cette année, c'est-à-dire au Luxembourg en août. Et c'est un processus qui a au début 40 équipes et qui à la fin en couronne une seule. C'est déjà beaucoup plus que l'année dernière. Ça prend d'année en année. Ça prend d'année en année. Le format compétitif, il augmente. En attractivité. Le format en équipe augmente en attractivité. En fait, les voyants sont en vert, qui fait que la communauté française, elle est vraiment au top au format ETC en équipe. Et c'est génial parce que ça permet à la fois de faire du challenge et aussi de préparer l'avenir et de montrer que le format compétitif 40K, il a encore de l'avenir chez nous. Ça, c'est chouette. Ouais. On va préciser quand même que, en tout cas, le jeu en équipe est standardisé sur du 8 contre 8. Oui. Donc, c'est 8 joueurs qui vont s'affronter sur 8 tables différentes, soit contre une autre équipe, soit contre un autre pays, dépendamment justement des différents
format. Par rapport justement à cette phase de qualification, vous êtes à balles réelles, c'est-à-dire que vous êtes aussi en 8 contre 8 sur les conditions ISO, celles de l'ETC. Exactement, c'est exactement les mêmes conditions que l'ETC. Quelques petites modifications. Dans les qualifs, tout le monde rencontre tout le monde au sein d'un même qualif. À l'ETC, il y a 30 équipes et quelques, donc c'est plus compliqué que tout le monde rencontre tout le monde. Mais oui, c'est exactement le même format, les mêmes règles, etc., etc. D'accord. Donc, on a commencé à en parler tout à l'heure. Il y a eu toute la partie D3. Il y en a eu combien? Il y a eu 10 D3, chacun accueillant 4 équipes, donc en tout 40 équipes au départ qui étaient alignées. D'accord. Et donc, à ce jour, il reste combien d'équipes? Il en reste 16. 16 équipes ont passé la première barre. Donc, si mes calculs sont bons, je vais compter sur mes petits doigts de nain. Attention. Il y aura donc 4 D2. Il y a 4 D2, en effet. D'accord. Qui répartissent. Et un seul D1. Et un seul D1, puisqu'on va prendre le gagnant de chaque D2 pour les rassembler à Paris pour la phase finale. D'accord. Contrairement à la du D3 au D2, où on va dire il y avait une session de repêchage, oui. Là, non, c'est premier ou mort subite. Voilà, c'est ça. Premier ou ben merci, mais à l'année prochaine. D'accord. Où va se dérouler justement donc le premier des deux qui se déroulera dès samedi, donc le week-end du 18? Oui, il se déroule à Saint-Pierre-du-Perret, qui est juste à côté de Courcouronnes. D'accord, donc on remercie l'association des Aces, qui justement vont héberger en fait. Exactement, qui hébergent, qui sont les organisateurs et qui pilotent l'ensemble de cet événement. D'accord, je crois qu'on a Arrêtas avec nous, Mathieu Joncourt, oui, qui est sur le chat, donc salut à toi, Montatas. Donc, là, on va tirer au sort parmi justement quelles équipes? Quelles vont être les équipes qui vont jouer ce week-end? Alors, il y a 4 équipes qui s'affrontent ce week-end. Il y a d'autres D2 qui auront lieu le week-end d'après et en février. Mais le premier D2 commence ce week-end, c'est-à-dire dans 2 jours. Et nous allons tirer les équipes qui vont se rencontrer lors de la première ronde, ainsi que le scénario qui va être joué en première ronde. Ensuite, ça va être départagé. Enfin, c'est la ronde suisse et ça va être géré au fil de l'eau pour les rondes suivantes. Et alors, les équipes qui participent au premier des deux, c'est les Bisounours 1, la Paris United Omega, les Stand or Die et les NWA. Donc, des amis qui viennent de l'ensemble de la France et qui vont s'affronter dans cette étape-là. D'accord. J'ai plein de questions, en fait, par rapport à ça. Donc, tu viens de dire de partout en France. D'ailleurs, comment est-ce que vous avez, justement, fait ce petit méli-mélo d'équipes par rapport à ce des... Comment est-ce que vous avez réparti, justement, les différentes équipes? Alors, on a utilisé un classement qui nous permet de classer les équipes en fonction de leur score issu du D3. Et on a fait que les joueurs se rencontraient en fonction de leur classement initial, en disant ce qui se fait classiquement dans des jeux très compétitifs, des jeux vidéo très compétitifs, ou des tournois, jeux compétitifs comme League of Legends, ou des tournois comme les échecs, etc. Le même type de raisonnement. Et le tout, on a modifié légèrement en fonction des contraintes des équipes, parce qu'on n'avait pas non plus envie d'imposer un élément qui était totalement cassant pour une équipe. Donc après, des discussions ont lieu en fonction avec les différents capitaines qui ont abouti à la répartition finale. D'accord. Et là, on va tirer au sort. D'accord. Alors, donc, il y a bien 4 petits papiers. Il y a 4 petits papiers qui sont à l'intérieur. Notre main innocente, hein, Evie. Et qui va faire live. On n'a pas 15 minutes pour rien, mon petit Manoya. Tout à fait. Mais maintenant, non. Il y a des choses qui restent entre nous. Donc il y a 4 petits papiers. Je vais tirer la première, en fait, qui va justement placer, on va dire, la première équipe. Exactement. Et moi, je vais être le scribe. Et qui va permettre de... Et tu peux l'afficher, comme ça, les gens... Alors, je vais te demander de le tenir. Merci beaucoup. Juste à la hauteur, comme ça, on verra que ça ne quitte pas le plan. Donc, la première équipe à jouer ce week-end... Oui, je les ai mis en tout petit. Hein. Va être les Stand or Die. Rapproche-toi un petit peu. Ouais. On voit? Okay. C'est bon? D'accord. Je l'ai fait en grand, c'est pour ça. Et donc, cette équipe va t'affronter dès samedi matin. Ça commence à quelle heure? Samedi matin, ça commence à 9h15, mais comme on n'a que 2 games dans la journée, on a un peu de latitude, tu vois. Donc c'est vraiment pour être le plus opérationnel possible par rapport à nos joueurs, pour que si jamais il y a un petit bug de temps, on arrive à gérer. Allez, et ils vont affronter l'équipe des Bisounours 1. Bisounours 1. Donc, on le rappelle, les Bisounours sont l'équipe actuelle. Équipe de France, en fait, qui ont été sacrées l'année dernière et depuis quasiment 10 ans. Je crois que c'est leur 10e sélection, ou alors ça sera peut-être cette année. Ah, peut-être. Je ne sais pas si Arrêtas peut nous répondre, ça fait combien de temps qu'justement ils sont sacrés équipe de France. En tout cas, donc voilà, la première ronde opposera les Stand or Die aux Bisounours 1. Et la deuxième, la deuxième, pour montrer qu'on a toutes les équipes dedans. Yes, ici, hop, je vais prendre le premier papier. Et donc la première ronde, elle a fait rencontrer Bisounours 1 et Stand or Die. Et de l'autre côté, sur la deuxième partie... Donc, plus de surprise, ça va être les Paris United Omega. Et ils vont affronter... Attention, grand suspense. Les NWA. Les NWA qui viennent de Nice et qui montent à Paris pour affronter
qui pourra affronter les différentes équipes qui ont passé le D2. D'accord. Donc là où pour le coup ça va devenir intéressant, c'est que dépendamment des listes, dépendamment des match-ups, certains scénarios peuvent avantager ou désavantager justement certaines équipes. On va voir donc tout de suite... En tout, on a 5 scénarios possibles et on va en choisir un parmi les 5 pour la première ronde. Tu choisis rien du tout, voilà, tu mélanges tout ça. Voilà, attention, c'est le premier, le scénario de la ronde 1 va être... Ça va être le scénario 3. Scénario numéro 3. Donc c'est le scénario numéro 3 qui va être joué pour la première ronde du D2. Maintenant, les équipes peuvent faire quelques anticipations. Ils peuvent voir le scénario de la première ronde, ils peuvent savoir qui va jouer contre qui. Vu que toutes les listes ont été publiées, ils peuvent faire quelques travaux en amont, 2 jours avant l'événement, ce qui permet de... Peut-être vendredi soir, pour certaines équipes, justement, des matchs d'entraînement, oui. En fait, où ils vont pouvoir tester la liste d'un tel adversaire contre un des leurs, et ainsi de suite. Mm-hmm. Je me rappelle, en fait, que c'était contre les Américains. J'avais pu assister, justement, à l'entraînement de l'équipe de France, et ils avaient testé certaines listes américaines pour voir, puisque à l'ETC, c'est prévenu encore plus en amont, oui. Ils peuvent vraiment s'entraîner pour cette première ronde. Alors, on a d'ailleurs Redou ASMR qui fait « Oh, les NWS, c'est mon club, salut à tous !» Eh bien, écoute, salut à toi. On a Mathieu qui dit « Trop », je ne sais pas à qui il répond, mais c'est pas grave, on va enchaîner tout de suite. Donc voilà pour la partie du D2. Oui. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à la FEC ? Pour l'instant, en fait, on travaille vraiment l'application du qualif de cette année. On a fait nos 10 événements D3. Là, on bascule sur les D2. On prépare aussi le D1. Le tout pour qu'à la fin, l'équipe de France soit qualifiée et qu'on réussisse une belle saison et qu'on les aide au maximum pour l'année suivante. Alors, un sujet qui n'était pas prévu, je voulais quand même juste en parler, puisque ça a été malheureusement la semaine dernière, la fermeture de la WAC Taverne, qui était quand même un fief parisien, mm-hmm. et qui avait hébergé justement pas mal de sessions aussi de qualification les autres années pour ça, et je trouve ça très dommageable, en tout cas pour la communauté parisienne, que ça ait fermé. Donc en espérant que quelqu'un reprenne le flambeau, en tout cas pour retrouver, on va dire, un foyer aux Wargamers d'Île-de-France. Oui. Quoi. On avait fait beaucoup d'événements à ce lieu-là. Il permettait beaucoup de joueurs, pas seulement de 40K, de beaucoup de communautés de s'y retrouver pour permettre de jouer, de s'entraîner au pitou. Et c'est dommage. C'est une page qui se tourne en espérant qu'un nouveau chapitre soit écrit. C'est important pour la communauté francilienne. Mais bon, on va avancer. Hein. Regardons vers l'avenir pour que ça se passe sous les meilleurs augures. Yes, excuse-moi, j'ai rigolé sur ce sujet qui, pour le coup, est assez triste, mais c'est parce que sur le chat, on a Phil Wynn qui fait un petit salut d'Alain Chabit. Et en fait, Phil Wynn, c'est la personne que j'avais appelée pendant live, qui est le sosie de voix d'Alain Chabat. Ah, d'accord. On a aussi nos sosies dans le Wargame, et ici, en l'occurrence, c'est Alain Chabit. Parce qu'on est dans la finesse absolue, bien évidemment. Ensuite, on va quitter justement donc le sujet des qualifications de l'équipe de France pour Warhammer 40 000. On va rentrer vraiment en profondeur dans les French Wargame Day. Donc, c'est un événement qui se déroulera à Grenoble, au Palais des Sports de Grenoble, les 14 et 15 mars prochains. Oui. On va avoir 1008 joueurs sur Warhammer 40 000. 1008, donc enfin 1008 et pas 1800 joueurs. 200 joueurs sur la partie Edge of Sigmar, pour les jeux corps, on va dire, de Game Workshop. Ensuite, on aura bien évidemment un tournoi sur le jeu de TGCM qui est Carnage, un tournoi de 32 joueurs et ensuite on continue ensuite avec des tournois autour de la licence de l'éditeur FFG avec du X-Wing, de l'Armada et du Star Wars Légion. Donc les trois événements seront répartis sur à peu près 140 joueurs. Ensuite, on a un petit peu avancé aussi sur un autre partenaire qui viendrait, ça serait Mythic Game. Pour l'instant, je ne peux pas encore annoncer les choses parce qu'elles ne sont pas sèches et pas validées, mais on aura certainement des tables de jeu sur des jeux de leur licence comme Jane of Arc. Espérons vraiment avoir quelque chose autour de Super Fantasy Brawl, puisqu'il sera livré le mois des French Wargames. Ah oui, ce serait cool. Ça serait super stylé. En tout cas, ça fait partie aussi des animations qu'on va pouvoir proposer aussi bien sur les joueurs qui viendront de se faire violer, qui finiront leur game super vite, ou alors qui auront violé, je ne sais pas, qui seront pleins d'endorphines quelque part, ou des familles, putain, je ne peux pas faire cette transition, ou des familles qui viendront justement à l'événement pour voir un tournoi à grande échelle, voir pourquoi pas pas mal d'événements peinture. Ça, c'est Nico qui va pas mal nous les dévoiler, ou aussi tout simplement tester des jeux et profiter tout ça de cette bonne ambiance et de cette bonne bouffe. Parce que croyez-moi, ça, c'est quelque chose qu'on annoncera plutôt sur le live du mois de février, mais on est en train vraiment de préparer ça aux petits oignons et tout le monde travaille dur. Et c'est d'ailleurs un point que je voulais souligner, c'est que tout le monde travaille dur et c'est une équipe de bénévoles. Et j'ai vu quelques commentaires assez virulents quand on a publié par exemple le règlement de Warhammer 40 000. Oui, où il y avait une légère. Même pas une coquille, un décalement d'une page, d'un point. Il y a eu un problème d'affichage en fait qui a fait ça et ça a créé justement
vraiment des réactions trop virulentes. Les amis, n'oubliez pas que déjà, notre seule préoccupation, c'est de faire un événement qui va vous plaire, sur lequel on va tous passer un bon moment, en tirer plein de souvenirs. Donc, ne vous inquiétez pas pour toute cette partie-là. Je voyais aussi tout à l'heure des questions sur le fait d'avoir envoyé un mail, justement, à question@frenchwargameday.com. Faut savoir qu'il y a eu quelque chose comme 800 mails qui ont été envoyés depuis la création et l'annonce de cet événement et la création de cette boîte mail. Alors, ça ne veut pas dire 800 mails de personnes différentes. C'est d'ailleurs là où le bas blesse, c'est qu'il y a des personnes qui sont amusées à harceler, à envoyer 10, 20 mails parfois. Ne vous inquiétez pas, il faut savoir qu'en fait, on utilise une solution de ticket qui fait qu'à chaque fois que vous créez un mail, vous créez un case dans une solution à laquelle pas mal de personnes ont accès et que 100% des tickets sont traités. Alors, par rapport à ça, encore une fois, je l'ai dit, c'est une équipe de bénévoles, donc ils font ça en dehors de leurs horaires de travail. Donc, il peut y avoir une petite latence, mais ne vous inquiétez pas. Déjà, il y a de grandes chances que vous trouviez vos réponses dès ce soir sur cette vidéo. Encore plus sur la partie de clarification qu'il va y avoir aussi bien au niveau du règlement ou que tu vas pouvoir donner justement s'il y a des questions sur les scénarios et ainsi de suite. Et je vais d'ores et déjà répondre à quelques petites questions. Les premières, c'était par rapport aux annulations. Et juste, de temps en temps, on a vu des commentaires passer dans le chat actuellement. J'ai vu par exemple Témil qui demandait où est-ce qu'il en était. Témil, j'ai eu ton message. Je l'ai vu passer juste avant de commencer le live. On va y répondre dans la soirée, si ce n'est demain. Donc, toutes les questions vont être traitées. Si jamais il y a des choses qui ne sont toujours pas traitées, c'est sûrement qu'on ne les a pas vues parce que ça a c'est pas passé. Ça peut arriver. Donc, relancez-nous au besoin, mais on essaie vraiment de répondre au maximum. Il y a quelques tickets en souffrance pour l'instant. C'est ce que j'allais dire. Justement, il y a Coulourde, Realms qui nous met et on a combien de tickets? Alors, il faut savoir que sur les 800 tickets, si je dis pas de bêtises, on est à 75 tickets encore ouverts. Donc, on a quand même trouvé ils ont traité justement une énorme partie et lesquels qui restent en tickets ouverts, on a des questions auxquelles on va répondre ce soir. Il y en a d'autres qui sont plus particulières sur, par exemple, l'accessibilité aux personnes handicapées. Là aussi, on tient à rassurer tout le monde. Théoriquement, à part peut-être pour certaines licences où il y a des marches, pour toute la partie 40K et Edge of Sigmar et pour la bouffe et les toilettes, tout est justement accessible aux personnes handicapées. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. D'accord, cool, Rims. Après, encore une fois, ça dépend vraiment de ton ticket. Et attention aussi, si jamais vous envoyez plusieurs tickets, vous allez aussi retarder parce qu'on fonctionne avec c'est un comme FIFO. À la sécu. First in, first out, qui fait que si jamais tu reposes une question et ainsi de suite, elle mettra aussi plus de temps à avoir une réponse. Par rapport justement à tout ça, on va avoir aussi, en réponse facile et accessible, la partie annulation. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour pouvoir annuler et encore bénéficier d'un remboursement tout intégral. À fait. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va on va offrir la possibilité aux personnes qui s'étaient préinscrites sans avoir la possibilité de payer les places qui vont se libérer. Et on fera un statut, à mon avis, d'ici soit jeudi prochain, soit une deuxième semaine, pour savoir si on réouvre entièrement les inscriptions, on va dire, en plus des personnes qui ont été préinscrites, dépendamment des personnes qui vont annuler. Ça, c'était le premier point. Est-ce que tu vois d'autres questions génériques ou est-ce qu'on peut passer tout de suite justement au règlement d'Age of Sigmar? Sur l'annulation, on est bon et puis on va passer directement aux différents règlements. Il y avait une dernière question qui m'a été rappelée, c'est de savoir est-ce qu'on peut changer de pool? Bien sûr, et au contraire, ne vous inquiétez pas, vous n'avez même pas besoin de créer de ticket pour ça, puisqu'en fait, la validation de votre pool se fera au moment où vous allez envoyer votre liste. La validation, le choix de la pool aura lieu, il fallait évidemment qu'on lance le format et qu'on lance les scénarios pour que vous puissiez faire votre choix le plus éclairé possible. Et ça n'aura lieu que lorsque vous choisirez, vous enverrez vos listes dans lesquelles vous écrirez simplement « Je choisis la poule 169, la poule Fat of War, etc. » Et donc, ça permettra, c'est à ce moment-là que vous choisissez. Votre nom d'équipe aussi, on peut le changer sur T3, sur le jour J, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est la liste qui va faire foi à la toute fin. Qui permettra de stabiliser définitivement où vous êtes. Donc pour l'instant, il n'y a aucun souci sur toutes les modifications que vous souhaitez faire. Et nous, ce qu'on avait envie, c'est de valider votre choix qu'après que vous ayez toutes les informations sur les listes, sur les scénarios et sur le format. Yes, je vais répondre, excuse-moi, un petit en moins sur le chat. Ensuite, il y a aussi pas mal de questions sur les visiteurs. On le rappelle, l'entrée visiteur est de 5 euros. En fait, c'est la même que vous veniez soit pour déposer une pièce pour le concours Mini The Award ou alors tout simplement que vous veniez passer les deux jours avec nous. Attention, bien évidemment, pour 5 euros, vous avez uniquement l'accès à l'événement, mais ça ne comprend pas les 3 repas. Donc voilà. On va passer maintenant, excusez-moi, pour continuer là-dessus, parce que je viens de voir le message aussi de Guillaume, on n'a pas encore de deadline par rapport aux visiteurs et on pense même qu'on autorisera les gens jusqu'au jour même, en fait, pour justement pouvoir rentrer, pouvoir accueillir les familles aussi bien qui connaissent l'événement qu'aux familles grenobloises qui pourraient voir de la lumière et tout simplement envie de rentrer. Ensuite, on va tout de suite dimanche 19 janvier pour la date des annulations de Legend Hill. Exactement. Oui, c'est ça. Yes. Annulation avec remboursement. C'est ça, intégral. Exactement.
Donc, pour venir à terme à l'organisation, je pense qu'il faut s'inscrire à l'avance. Excuse-moi, il y a des madrusses qui fait Guillaume. On peut venir en visiteur, mais pour l'organisation, oui, en fait, plutôt, en fait, on sera capable nous-mêmes, d'un point de vue informatique et ainsi de suite, de vendre des billets en précommande. Plutôt, on pourra prévoir, en fait, aussi bien de la bouffe en plus, avec une petite estimation de est-ce que les personnes vont vouloir déjeuner ou pas avec nous, et ainsi de suite. Je pense qu'on est bon par rapport à ça. On va maintenant passer à la partie règlement. Mm-hmm. On va commencer par la partie règlement de Edge of Sigmar. Pour le coup, cette partie-là ne va comprendre que deux parties, la poule compétitive et la poule narrative. Mm-hmm. Par rapport à Warhammer 40 000, il faut préciser que ce soir, on ne va pas parler des scénarios, puisque ceux-ci vont être tirés au sort avant l'événement, mais ne seront publiés et disponibles pour les joueurs que le matin même de l'événement. Parce qu'on ne veut pas, pour le coup, c'est un choix qui est assumé, que les joueurs puissent orienter des listes vraiment en fonction des scénarios et que justement, ils puissent être surpris dépendamment de ceci. Après, on tient aussi, et pour le coup, c'était une consigne de Pride à rassurer tout le monde, il y aura bien un scénario de chaque type. Sous-entendu, un scénario de héros, un scénario de map, un scénario de mobilité. Et des scénarios pas non plus loufoques, dirons-nous. Non, c'est non, des scénarios, ça sera des scénarios de tout type. Donc, il y aura quatre types de scénarios sur l'ensemble des deux jours. Il n'y aura pas de scénario loufoque, sauf peut-être en narratif. Attention, mais ça, c'est le propre de l'imaginaire, quelque part. C'est vraiment pour AOS, pour éviter des listes trop polarisées, considérant la connaissance des scénarios. Donc, je pourrais utiliser le terme polarisé à l'avenir. Avec plaisir. Polarisé, ADN, tu vois. Là, tu touches c'est vraiment pour donner la diversité. Il faut anticiper un peu tout pour qu'on passe un bon moment ensemble sur les tables de Age of Sigmar. Alors, on avait une question juste avant de lire, le temps que Arkesis puisse balancer justement le PDF. Tu peux y aller. Donc, c'était quelle est la date pour la remise des listes? C'est pile poil un mois avant l'événement, si je ne dis pas de bêtises. Oui, sachant que ça avait la date pour l'instant qu'on a fixée, c'est un mois avant. Mais, c'était le 16 février, après la Saint-Valentin. Attention, mais on envisage peut-être de faire une petite flexibilité parce qu'étant donné que c'est les correcteurs qui vont corriger tout ça, l'objectif c'est qu'on puisse revoir et discuter avec les joueurs. Et comme les formats étaient publiés un peu plus tard que prévu, on veut être un peu flexible là-dessus. Mais dans tous les cas, vous aurez les infos. Considérez pour l'instant que la date c'est le 16 février. Parfait. Je vais commencer à lire pour qu'on découvre ensemble ou redécouvrons ensemble le règlement pour la partie Edge of Sigmar. Mm-hmm. Celui-ci a été publié en milieu de semaine sur les différents groupes Facebook. Tous les documents que vous allez voir ce soir seront disponibles ou sont déjà disponibles directement en description de cette vidéo. Si vous voulez les ouvrir, allez-y et on va pouvoir les lire ensemble. Je commence par le règlement de la partie Edge of Sigmar pour la poule compétitive. Tournoi en ronde suisse de 4 parties de 4 heures chacune. Déploiement incluse. Ensuite, on va avoir les 4 scénarios joués seront prédéterminés dans ceux proposés dans le manuel du général 2019 et communiqués uniquement avant le début de chacune des rounds. Ensuite, pour la partie compétitive, on va bien évidemment avoir le 2x1000 points, armée sélectionnée avec les limitations Vanguard. Ça fait partie justement des restrictions qu'on va avoir sur le nombre de personnages, de machines de guerre et aussi de lignes dans son armée. Format de liste attendu, Warscroll Builder. C'est tout simplement le Warscroll Builder qui est proposé par Game Workshop sur le site de Warhammer Community. Pas d'interaction entre les armées, que ça soit buff ou debuff. On en reparlera un petit peu plus. À peu près comme nous. Exactement. Pour ça, on développera un petit peu plus pourquoi en fait c'est mis en place sur la partie Warhammer 40 000. Chaque joueur génère un point de commandement à chaque début de round et lui seul peut l'utiliser. Pareil au niveau justement des différents débats qu'il pouvait y avoir, c'était est-ce que chaque camp plusieurs points de commandement et est-ce qu'on a moyen de se les partager. Là, ça sera vraiment chacun individuel. Ensuite, pas de règles de royaume utilisées, sauf les artefacts de royaume. Vous pouvez passer éthéré, mes petits gros billes. Ensuite, pas deux fois le même Battle Tome. Ça aussi, c'était assez intéressant. Ensuite, clock autorisée. Si l'une des équipes veut la mettre en place, interdiction de la refuser. Encore une fois, habituellement, il y a des clopes, vous n'avez pas le droit de fumer à l'intérieur. Encore une fois, il y a certaines personnes qui aiment ou pas jouer avec la cloque. De toute façon, que vous ayez l'habitude ou non, ne vous inquiétez pas, il y aura des arbitres pour surveiller qu'il n'y a pas d'abus non plus au niveau de ce système-là. Et ensuite, le petit point qui est application compétitive des règles, c'est qu'encore une fois, on va appliquer bien évidemment les règles et qu'en cas d'interprétation, il y aura une belle équipe d'arbitres. Je crois qu'ils seront 12 pour la partie Warhammer 40 000, ce qui est quand même assez impressionnant. Pour l'instant, on est 12 et on vise 15, mais on a déjà 12 personnes qui ont signé. Ah ouais, ça aussi, il y aura des arbitres pour gérer tout ça. Des personnes de la soif, et aussi l'équipe de France. Par rapport à l'application compétitive des règles, c'est complètement normal, on est obligé de mettre ça, on va dire, dans un règlement pour montrer qu'on va respecter quand même les règles. Maintenant, ça sera bien évidemment, tout comme pour la partie 40K ou pour l'ensemble des événements, dans la cordialité et dans la bienveillance pour qu'on puisse passer un bon moment avec ses adversaires. Ensuite, on va avoir la partie fluff qui est
Les joueurs forment une équipe de deux. La composition des allégeances est libre. Vous pouvez même choisir deux fois la même allégeance. Donc là, on va pouvoir jouer en miroir avec son binôme. En fait, le but, c'était aussi de pouvoir faire un seul camp. Ah double oui, Sylvanette, double Sylvanette. Exactement. Des forêts partout, mon Dieu. Je suis pas sûr. Ouais, bon. L'équipe doit choisir la faction pour laquelle elle combat, si ce n'est pas évident. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi très bien jouer du bien, du mal, mais par rapport au fait de faire avancer une histoire narrative basée sur le week-end, il faut choisir son camp. Ouais. Il va falloir justement derrière qui on pousse un petit peu pour pouvoir gagner. Par exemple, une équipe formée d'un joueur Stormcast éternel et d'un joueur Sylvanette sera affectée directement à la faction Orbe. Mm-hmm. En revanche, une équipe formée d'un joueur Stormcast éternel et d'un joueur Skaven peut choisir soit de se raffiler à la faction de l'Orbe, soit à la faction du Chaos. Bien évidemment, ça doit figurer sur vos listes d'armées et vous ne pourrez pas en changer dépendamment du week-end. En mode, ils sont en train de gagner, ça sent bien. Ouais, ça sent bien. C'est cadeau. Ensuite, les quatre parties se noront. C'est analysé, la faction gagne une partie, résultats globaux, donc c'est assez sympa. Il y aura, je pense, moins de pression sur la table, ça sera dans une meilleure ambiance, puisque pour le coup, on se battra pour une équipe globale, donc pour toute la salle, ça sera assez intéressant, des fois, d'avoir, pourquoi pas, des gens qui vont gueuler quand ils vont gagner, en mode « Oh l'ordre, à mort l'ordre !» Donc voilà, par rapport aux règles, justement, de la poule fluff. 2x1000 points, armée sélectionnée selon l'imitation Vanguard, exactement la même chose, format de liste attendue War Scroll Builder, c'est un standard qui nous permet plus facilement aussi bien de les corriger que de pouvoir les imprimer, et ainsi de suite. Ensuite, on va avoir pas d'interaction entre les armes, c'est la même chose. Chaque joueur génère un point de commandement chaque début de round, c'est aussi la même chose. Et là, la grosse particularité, ça a été un choix assez difficile à prendre, mais je pense qu'encore une fois, dans une optique de scénario global et tout ça, c'était très sympa, c'est pas de personnages nommés. Ça va frustrer quelques personnes au niveau de leur liste. Maintenant, ne vous inquiétez pas, il y aura des personnages jouables dépendamment en fait de l'histoire et vous pourrez avoir la chance de jouer tel ou tel personnage de l'histoire d'ailleurs, soit qui sont inventés, soit qui existent vraiment, et la figurine sera fournie et directement disposée sur la table. Donc pour ça, ça va être assez sympa. Ensuite, dépendamment justement du fluff, c'est la règle du royaume Shaman qui va être utilisée et que seuls les artefacts de Shaman seront sélectionnables. Ça, c'est vraiment sympa parce que l'histoire, en fait, justement, va avoir une connexion avec ce royaume. Et voilà, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le début du fluff, la publication du fluff, des premières parties devraient arriver fin de semaine prochaine. Ah. On peut se mettre directement dans l'ambiance. On n'aura pas les scénars, mais on aura on va parler d'Arcachon, on va parler de tout ça. Alors, les personnages spéciaux de la campagne pourront être attribués au début de chaque partie à une ou plusieurs équipes. La mort de ces personnages entraînera son retrait définitif de la campagne. Dépendamment des personnages, on aura le droit de tricher. Non, on ne touche pas à l'arrière. Attention. Voilà. Donc voilà pour la partie Edge of Sigmar. N'hésitez pas, si jamais vous avez quelques questions sur le chat, ça nous permettra justement aussi de pouvoir les noter pour les ajouter, en tout cas à la partie FAQ. Pour l'instant, elle concerne principalement la partie Warhammer 40 000, mais elle viendra justement se venir s'étoffer de la partie Edge of Sigmar. Voilà, en tout cas pour la partie AOS. On va enchaîner tout de suite avec la relecture du règlement pour la partie Warhammer 40 000. Il faut savoir que, comme vous pouvez le voir normalement d'ici quelques secondes, il y a eu quelques versions qui sont passées. On a passé de la V2 à la V4 avec justement quelques petites mises à jour dedans. On a une première partie qui est plutôt générique et une autre qui va être plutôt spécifique aux différents formats. On ne peut pas tuer Nagash, il est déjà fort. Ben justement, Geoffrey, c'est le fameux « ta gueule, c'est magique ». Donc, publication prise en compte, tout jusqu'au 1er février 2020, sous réserve que la fac afférente au codex soit également sortie. Tout à fait. On a eu quelques soucis avec des codex qui sortaient où il y avait quelques bugs. Il fallait qu'on attende la fac pour stabiliser le codex. Donc maintenant, on a décidé de ne jouer qu'un codex que si la fac est sortie. Mais bon, sachant qu'on a dit au 1er février, donc il reste 15 jours pour voir les dernières sorties, et c'est vraiment l'objectif, c'est qu'il y ait la fac afférente, qui sort souvent rapidement après, hein, elle ne met pas 3 mois à sortir. C'est 15 jours, voilà, le normal. Pour stabiliser, pour éviter des soucis comme on avait avec les Salamanders, qui devenaient l'armée inciblable et qui étaient trop forts. Ça permet de rectifier et de ne pas avoir des critiques. Oui, mais on ne joue pas à la fac, etc. Alors j'ai une question, parce que mon pari n'est pas prévu, mais elle me vient en tête. Si jamais on envoie notre liste, et qu'il y a une fac qui sort. Mm-hmm. Est-ce qu'on a une dérogation pour pouvoir la modifier ou pas ? Oui, bien sûr. D'accord. On va discuter avec les joueurs et les équipes. Si on remarque qu'il y a un point, un angle mort ou quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, on discute évidemment avec les équipes. Ça ne va pas être un rendu de liste un peu « vous le publiez officiellement, c'est fini, c'est ça votre liste ». Comme ça va être fait sur un site qui est en dialogue entre les organisateurs et les joueurs, ça permet d'échanger. Même s'il y a un truc qu'on remarque qui est faux ou problématique, on discutera avec les joueurs
pour que ça permette que les joueurs se sentent encadrés et surtout qu'il n'y ait pas de bug à gérer. Enfin, s'il y a bug, on le gère et qu'il n'y ait pas de bug le jour J. D'accord. J'ai vu même, j'aimerais en parler, mais je ne peux pas. En plus, je vais rester focus. Ensuite, on a rajouté dans la dernière version que toutes les figurines devront être peintes et soclées pour le plaisir visuel de tous. Mm-hmm. Ça, bon, mais il faut croire que ce n'était pas assez clair pour tout le monde. On est sur un événement slash convention. Donc, c'est aussi un plaisir de pouvoir justement présenter son armée à son adversaire et de faire en sorte qu'avec les tables, justement, ça soit plus agréable pour les yeux. Sans pourtant exiger le niveau qu'il va y avoir dans le tournoi peinture. Dans le Minotaur. Par contre, c'est important et c'est nécessaire qu'on joue avec des figurines peintes. Pour le coup, ça va être la règle de base, sous-entendu la trois couleurs minimum, même pas forcément dégradée, tout ça, mais c'est juste, venez pas avec une figurine se couchant en blanche en disant « c'est une couleur !» Oui, parce que tu as c'est mes white cards, attention. Voilà. Et la particularité aussi, c'est que les socles aussi doivent être travaillés. Alors, travailler, attention, hein, ça veut juste dire que les socles doivent avoir une couleur aussi. Sauf pas si nécessairement une texture. Bien sûr, les socles transparents, on a le droit. Mais pareil, pour ne créez pas un milliard de tickets là-dessus, il suffit que le socle soit peint, même en marron avec un brossage, ça suffit largement. Ensuite, par rapport au règlement sur les listes. Et si jamais tu as du proxy, si tu veux jouer du proxy, contactez-nous, sachant que la règle que nous on pense, c'est le bon socle et les bonnes dimensions. Excuse-moi. Ah, tu étais avec non. moi non, ouais, Oui, j'étais avec toi, j'étais écouté. Donc c'est vraiment pour, si vous avez du proxy ou des questions de EasyWeek, envoyez-nous un message et sachez que globalement, l'idée c'est bon socle, bonne dimension et que ça n'embrouille pas l'adversaire. Voilà les règles de base. D'accord. On continue ensuite avec la partie des listes. Les armées doivent être composées selon le type de jeu égal, Battle Forge, donc sous-entendu respecter tout ce qui va être détachement et ainsi de suite. Les points de commandement seront gérés par joueur et non par équipe. Je vois que vous êtes concertés avec la partie Edge of Sigmar. T'as vu comme on travaille bien ensemble, c'est une équipe, communauté, tous c'est une famille, c'est la Future Game Nation. Les stratagèmes, sorts, capacités sont individuels, que ce soit un buff ou un debuff. Les deux joueurs d'une équipe peuvent utiliser les mêmes stratagèmes lors du même tour. Ça, excuse-moi, on va quand même un petit peu rentrer dans le détail, puisque, donc, pour le coup, les buffs ou debuffs pour les personnes qui n'ont pas forcément une vue complète de ce qui est possible, dépendamment des codex, par exemple, un Eldar a la faculté de maudire une unité, et cette unité, on va pouvoir relancer tous les jets de blessure contre telle ou telle unité. Oui. Là, ça veut dire que ça ne concerne que le joueur qui a lancé le sort. Voilà, c'est que le joueur Eldar, si lui, il a lancé son sort, c'est que ce joueur-là qui pourra en bénéficier, c'est pas son collègue, pour éviter les effets trop forts et non gérables de combos qu'on n'aurait pas vu avec des mélanges de différentes factions. D'accord. Et par contre, les joueurs peuvent utiliser les mêmes stratagèmes donc à la même phase. S'ils ont des stratagèmes, si chaque codex a un stratagème qui ressemble, l'un peut l'utiliser, l'autre aussi. Oui. D'accord. Et ça marche aussi sur les stratagèmes du livre de règles. Moi, je peux relancer un point de co, tu peux relancer avec un point de co. Un dé. Moi, je peux relancer tu un dé. Tu peux réussir ton test de morale, je peux réussir mon test de morale. Voilà. Ok. Ensuite, les deux joueurs des deux teams peuvent librement communiquer entre eux. Oui, alors ça a été vraiment... On a essayé. On a essayé une fois. On a dit, vous ne pouvez parler entre vous que si vos deux seigneurs de guerre sont à moins de 6 pouces l'un de l'autre. Ah ouais. S'ils sont à 12 pouces, il faut gueuler. Sinon, on a donné des petits bouts de papier. Il fallait écrire son ordre et le transmettre sur un bout de papier. Ça marche, c'est drôle sur le papier, ça marche pas du tout. Quand t'as 1000 joueurs qui sont répartis sur un stade, ça risque d'être le bordel. C'était le bordel. Sans nom, et ça cassait la dynamique... discussion en équipe, quoi, ce qui est important parce qu'on recherche dans ce format. Ligne importante, les clarifications ETC seront appliquées. Donc, ETC, European Team Championship, qui est un système de tournoi, c'est d'ailleurs les championnats du monde de Warhammer qui créent ces clarifications, justement pour éviter tout débordement ou toute nécessité de clarification. Oui. Où est-ce qu'on peut les trouver? Oui. Et ensuite, est-ce que tu as un exemple pour justement pouvoir clarifier ça à quelqu'un? Il y avait l'histoire pendant longtemps des charges qui faisait que si on mettait ses figurines tout le long d'un étage, la personne ne pouvait pas charger parce qu'elle ne pouvait pas poser sa figurine. Et dans les clarifications, la première chose qu'a fait justement l'équipe ETC, c'est de casser ça pour quand même pouvoir permettre de jouer tout simplement. Alors ça, je ne l'appellerais pas une clarif. J'appellerais ça un des rule check qui est présent, qui permet d'éviter de mettre une ribambelle de Dark Reaper en sommet d'une tour et dire « Ah ah, je suis indestructible !» Donc c'était pour éviter ça. Il y a beaucoup de clarifs, il y a plusieurs pages qui permettent de préciser un certain nombre de choses. Par exemple, est-ce que le joueur tôt, quand il prend une mortelle, dans tel moment, est-ce que ça marche ou pas sur les drones? L'idée, c'est de clarifier. C'est un corpus de réponses qui a été apporté à des questions qui ont été posées dans des tournois au niveau européen. C'est pour harmoniser que tout le monde joue au même jeu. Ce document-là, il est écrit en anglais.
Et il est disponible à plusieurs endroits sur le site de l'AFEC. Je l'ai aussi mis dans les questions et réponses, le document qu'on va voir juste après. Si il y a des questions concernant ce document-là, si on n'est pas fluent en anglais, quel que soit, n'hésitez pas à nous contacter, c'est avec plaisir. On a essayé de le traduire, mais à peine on est fini, qu'une nouvelle version est arrivée. Donc on s'est dit, d'accord. Bon, ça commence à être... Normalement, il n'y a pas de clarification ETC qui ferait changer une liste du tout au tout. C'est plutôt au moment où l'action va se présenter sur la table. Alors exactement. On peut aussi simplement lever la main, soit avoir ces documents et les montrer justement à l'équipe d'en face. Soit poser la question, il y aura suffisamment de ressources arbitrales et on sera vraiment là pour répondre à tout ça, à répondre à toutes les questions. Et ça nous permet en fait d'avoir un document stabilisé en amont et que l'ensemble soit tranché de la même manière. C'est surtout ça. D'accord. Mais il y a, hormis la charge à l'étage, il n'y a quasiment rien en termes de gros changements. D'accord. Ensuite, un seul exemplaire d'un codex slash index par équipe. Oui. Rien de... Tout à fait. Rien n'est déclaré. Non, c'est juste pour éviter les... Je joue telle faction Space Marine, moi je joue aussi une autre faction Space Marine, on fait un truc full Space Marine, on va éviter. On va éviter pour donner un peu de diversité, éviter qu'on joue plusieurs fois le même codex. D'accord. Il y a une question pour toi de Mathieu qui est à propos de la partie règles, la partie sur les traits spécifiques au codex. Si on joue deux chapitres différents dans nos listes, est-ce qu'on a deux traits ou deux traits pour l'ensemble? Je comprends pas la question. En gros, par rapport au chapitre successeur, j'imagine pour toi, mais Mathieu, ça sera... On peut pas jouer deux chapitres. Ah, au sein d'un même... au sein d'une équipe, si jamais on a par exemple deux... tu joues... je suis chapitre successeur Space Marine Ultramarine, tu es chapitre successeur Salamander. Est-ce qu'on peut ou pas? Je peux pas. Parce que c'est rattaché justement au codex Vanille. Au même Vanille codex, voilà, SM. Au codex Space D'accord. Marine. Donc si moi je joue Space Marine, tu pourras jouer Blue Dungeon si tu le souhaites, mais tu ne pourras pas jouer un autre D'accord, chapitre. Tous les suppléments qui partagent le codex ouais. Space Marine. Ok, ça faisait partie j'imagine des clarifications. Oui, ça a été écrit aujourd'hui je crois, D'accord. suite à une question d'un des joueurs. Blue des Space Wolf, oui c'est bon, ouais. Yes. Ensuite, on va passer justement au corpus qui va parler des règles. Envoyez vos listes au bon format sur le fond et la forme avant le 15 février. On a dit le 16. Oui, mais ça, voilà, il y a un peu de flexibilité, mais il faut vraiment voir. Notre objectif, on va corriger 1008 listes. Plus on peut être en amont, mieux c'est, parce que sinon on risque de faire beaucoup de choses et beaucoup de nuits blanches. Ça ne nous gêne pas trop, mais si on peut éviter d'en faire trop, ce serait bien. Yes. Hugo qui fait pour la section Age of Sigmar narrative, y a-t-il un classement par équipe en plus du résultat de la faction globale? La réponse est non. C'est le but justement du narratif, c'est de plutôt venir jouer en mode convention, plus pour porter une faction. Oui, c'est la faction qui va gagner. Exactement. Ensuite, pensez aux correcteurs qui vont vérifier plus de 1000 listes. L'adresse qui vous sera communiquée très rapidement. Tu as parlé tout à l'heure justement du site qui portera demain le fait de devoir rentrer sa ligne dedans et dispose directement d'un principe de chat ou en tout cas d'interaction entre le correcteur et de chat. Voilà. Par rapport à ça, vous devez indiquer sur vos listes le type de détachement utilisé, les keywords de faction utilisés, les traits spécifiques au codex comme le trait de chapitre pour le Space Marine, le total des points de la liste avec indication sur la partie Forge World, puisque dépendamment des formats, on va avoir justement des restrictions sur la partie Forge World. Le total des points de commandement, initial et final avec détail, si on veut acheter ou pas des traits de seigneur de guerre supplémentaires, des reliques et ainsi de suite. Le seigneur de guerre et son trait de seigneur de guerre, là où les reliques, les pouvoirs psy des psycheurs, les litanies des chaplains, les pouvoirs d'exarque et tout autre élément. Et enfin, les cartes Maelstrom choisies identiques sur les deux listes d'équipes. Pardon. Sachant qu'on demande à indiquer le trait de seigneur de guerre et les pouvoirs psy, parce que ça fait référence si jamais vous ne les changez pas le jour J. Vous pouvez les changer au début de chaque game, il n'y a pas de souci, comme le livre de règles l'indique, mais si vous ne changez pas votre trait de seigneur de guerre, c'est celui qui est dans la liste qui fait foi. C'est purement pour fluidifier le dialogue en cas de contestation, ou dit bon, bah, je prends celui de ma liste, tout va bien, etc. Ça permet vraiment de fluidifier. On a Lucas qui fait tout que les endless spells et décors des factions interagissent-ils entre les armées étant des éléments modifiant la table comme pour les Skaven ou les Sylvanettes. Alors tu parles uniquement des endless spells ou justement aussi des décors? Enfin, les décors c'est plutôt des règles où tu dois pas te mettre avec ce pouce et ça c'est global on va dire aux différentes listes. Et pour les endless spells, faudra demander confirmation aux personnes qui ont fait le règlement, savoir en partie Nico Pride, mais je pense que les endless spells n'interagiront que avec son armée à soi, et par exemple un soleil violet, si tu le places mal, il pourra aussi baiser ton pote. Ce qui, dans certains cadres de jeu, peut faire plaisir. Ensuite, on va parler maintenant du format Game Workshop. Ouais. On va parler des restrictions par joueur. 1000 points maximum par joueur, ça c'est logique. Plutôt global, même en narratif pour le coup. On n'est pas 1001 ou 1002, c'est le plafond. 1000 max, donc vous pouvez être un petit peu en dessous. Restrictions classiques,
classique, pardon, de Game Workshop, c'est celles qui sont directement soit dans le manuel général, soit dans le livre de règles, mm-hmm. sur le nombre de détachements. Ici, ils vont être au nombre maximum de 2. Maximum doublette de chaque unité, donc pas de triplette, sauf transport assigné et troupes. Ça aussi, c'est la règle classique du livre de règles. Et enfin, un point qui a été très difficile à trancher, c'est la partie Forge World, puisque au format Game Workshop, le Forge World est interdit. Oui, tout à fait. On l'a interdit. Pourquoi ? Parce qu'on a, autorisé le Forge World dans les autres formats, avec une limitation de 500 points dans l'un par équipe et de 169 points dans le format 169. Parce qu'en fait... Si ça avait été 170, ça aurait été 170 dans Forge World. Ouais, c'est pas mal. Non, c'est pas mal. J'avais une question. Il y a du niveau. On est fait des trucs, on pose mes questions. Mais au format Games, on ne voulait pas l'autoriser parce que notre objectif à nous, c'est de s'assurer que l'ensemble des joueurs passent un bon moment et qu'ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne puissent rien faire contre leurs adversaires. On a une expérience dans le Forge World qui a permis de vérifier un certain nombre d'excès de certaines figurines qu'on estimait, notamment avec le format 169, le format FAT, mais en format all-inclusive, enfin open bar, on n'avait pas un retour suffisamment grand pour identifier les angles morts du Forge World. Et dans l'intérêt du bon déroulé des games, on n'avait pas envie d'ouvrir grand la porte. On l'a ouvert dans les deux formats sur trois, c'est pas mal. La plupart des tournois en France ne l'autorisent même pas. Ouais. Mais là, on s'est dit, on ne peut pas voir arriver des choses qu'on n'a jamais vues. J'ai vu un jour une Forge World qui faisait au corps à corps 8 attaques, qui avait force 15 et qui faisait 6 damage flat. Ce truc-là, ça peut détruire une quantité de choses. Et tu ne le sais pas, mais dans la mallette, elle faisait même des crêpes. Et voilà. Comme quoi, c'est pété. On s'est dit, non, on ne peut pas anticiper, on ne peut pas avoir des joueurs qui viennent. Je la remonte à la fête, jamais de réponse. C'est un peu trop fort, j'ai passé un mauvais moment, j'ai passé une mauvaise journée, j'ai passé un mauvais week-end, parce qu'il y avait trop de choses en face. Ça fait même partie des trois formats qui sont différents. Ça a été, en fait, pour nous, parce que pour le coup, on en a vraiment parlé longuement sur Discord avec pas mal de joueurs différents et de profils différents pour s'assurer que chacun y trouve son compte, en tout cas, et que chaque liste puisse, entre guillemets, rentrer, on va dire, dans un des formats, sans pour autant créer trop de frustration, comme tu dis, chez l'autre. Donc, le format Game Workshop est le format le plus communément joué, on va dire, en France en ce moment. Et malheureusement, ou heureusement, en tout cas, ça c'est un jugement, mais le fait est que Forge World n'est pas très représenté sur les tables. Donc, il y a aussi une méconnaissance de ces figurines-là. Et pour justement assurer le plus de plaisir possible, pour le plus de personnes possible, en tout cas, dans ce format-là, ça a été interdit. Ensuite, on va passer au format FAT. Là, pour le coup, c'est toujours sur 1000 points par joueur. Un détachement maximum, hors détachement Lord of War et détachement fortification. Détachement force de raid accepté pour le codex Drukhari. C'est celui qui permet d'avoir un détachement patrouille dans chacune justement des maisonnées pour justement quand même bénéficier d'un bonus sur le nombre de points de commandement qu'on va avoir. Pas de fortification sauf ceux des codex. Doublette interdit. Doublette maximum en troupes excepté pour les custodes, les sœurs de bataille, les arlequins, les démons monothéistes, triplette autorisée. Parce que justement, eux vont avoir justement qu'un seul choix de troupes. Oui. Et ensuite, un seul codex pour l'armée et nouveauté 60 fois maximum la même figurine. Figurine. Oui. Pour éviter le spam trop important de figurines, pour varier aussi un peu les plaisirs. Je vais juste finir, excuse-moi, par la partie restriction par équipe, puisque là, pour le coup, on a un petit peu dézoomé pour apporter plus de latitude de jeu, mais il va falloir travailler sa liste avec son coéquipier. Avec son binôme, oui. Un sœur Lord of War par équipe. Oui, parce qu'on a remarqué notamment que les Lord of War, si les deux avaient chacun un Imperial Knight, ça cassait le jeu. En fait, l'adversaire, s'il n'avait pas d'Imperial Knight, il avait du mal à répliquer à deux foyers des Imperial Knight. C'est rien contre les Imperial Knight, mais c'est compliqué à sortir en format sans doublette. Hein. Tout comme les aérodimes, puisque là, pour le coup, ça sera un seul aérodime par team. Donc, si vous voulez un Stormhaven, il faudra choisir vous ou votre ami pour justement pouvoir l'avoir sur la table. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, 500 points maximum de Forge World autorisés par équipe. Donc, on peut se les répartir comme on veut. Si on veut aller, je ne sais pas, un laser destructeur Space Marine d'un côté et ensuite d'autres unités des Hornets ou quoi chez les Eldar, vous pouvez complètement le faire. À savoir quand même qu'il y a une petite restriction, c'est que les Shadow Spectre Eldar sont interdits. Oui. L'unité est extrêmement puissante, on l'a testée, elle est quasi ingérable en format restriction et elle coûte trop peu cher pour être... on met plein de choses à côté et le combo devient extrêmement difficile à gérer. Yes, pour revenir un petit peu sur ce format FAT, à mes yeux, c'est certainement le format
le plus consensuel des trois, pas forcément le plus mou, mais sur lequel, on va dire, on va retrouver le plus de latitude aussi de liste, oui. Puisque pour les autres, on va, en tout cas pour les compétiteurs, aller chercher le plus possible de limites, en fait, oui, c'est ça. Justement du règlement ou d'optimisation tout court. Mm. Quoi. Ensuite, on va parler justement du format 169 points. C'est 1000 points maximum par joueur, 2 détachements maximum par joueur, oui, donc oui. Ça aussi c'est intéressant. Triplette interdit sauf troupe. Ça c'est la règle classique, hein. Donc vous pouvez, pas de triplette, mais les troupes vous pouvez en mettre plusieurs dans la limitation des 169 yes, points. Yes, puisque pas plus de 169 points par data sheet, il y a eu énormément de questions. Il n'y a pas des troupes maximum au format FAT, hein. Au format FAT, vous pouvez mettre un nombre illimité de troupes, sauf 60 figurines. Mais bon, un GI, il va en être fait, content. Même... Il peut mettre 60 conscrits, 60 gardes impériaux. Ah ouais, ouais, ça va. Honnêtement, vraiment, les personnes qui se plaignent de certaines restrictions pour le format FAT, bah, je vous invite tout simplement à aller dans la partie Game Workshop. Parce que ça veut clairement dire que vous n'êtes pas dans l'optique ou dans le mind de jouer en FAT. Hein. Mm. Faut aussi voir ça. Ou alors que tout simplement, vous n'avez pas une vision suffisamment globale pour vous rendre compte de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de liste. Et si vous les mangez, si vous les prenez dans les dents, justement sur une des rondes, bah, vous verrez qu'il n'y aura pas de plaisir derrière parce que ça sera trop souvent à sens unique. C'est vraiment ça qui a... on va dire, était le guideline, le maître mot, on va dire, de comment est-ce qu'on a fait ces scénarios, c'est que chacun puisse y trouver son compte, dépendamment de son niveau de compétitivité ou alors justement son envie de jouer certaines unités et qu'elle puisse rester sur la table, on va dire, plus de quelques minutes. Ensuite, pas plus de 169 points par data sheet. Oui. Je viens de le dire, mais on va quand même le clarifier puisqu'il y a énormément de questions par rapport à ça. Ça veut dire que vous pouvez avoir une unité en n'importe quel nombre d'exemplaires dépendamment des restrictions qu'on vient de citer, mais le nombre total de points pour ce type de figurine, donc ce datasheet, donc ce profil utilisé, ne doit pas excéder 169 points. Mmh, voilà. Tout à fait. Ensuite, hausse de la limitation à 210 points pour le codex Custodes, Chevalier Gris, Harlequin, Sœur de Bataille et Inquisition. C'est pour permettre de jouer des bataillons. Pour qu'on puisse, parce que sinon ils étaient vraiment bloqués. Ils avaient soit aucune possibilité de mettre un bataillon, soit ils avaient une seule liste, et après c'était totalement bloqué. Et autrefois on avait dit 210 points seulement si on joue le codex uniquement en monodex. Maintenant on a étendu, parce qu'en fait, que tu joues en mélange, ça ne génère pas de liste trop forte. Yes. Donc c'est vraiment pour permettre à des joueurs qui aiment bien ces factions qu'ils se fassent plaisir. Quelques personnes parlent justement des Chevaliers Gris, c'était un petit peu ce qu'il avait fait au début débat sur ce fameux tournoi 169. Aujourd'hui, tu peux aller chercher justement 5 thermis et 2x5 strikes. Oui. Alors qu'avant, tu pouvais malheureusement pas. Tu peux pas. Ensuite, pas plus de 40 figurines identiques. C'est une restriction un peu supplémentaire par rapport au 169. Il y a très peu de... Enfin, ça voudrait dire que les figurines, elles auraient 4 points. C'est vraiment un élément qui permet d'empêcher trop de spam, mais qui est surperfétatoire avec le 169. Yes, exactement. Ensuite, on va avoir Forge World autorisé. Oui. Donc, dépendamment encore une fois de toutes les restrictions qu'on va avoir. Donc, comme tu disais aussi tout à l'heure, ça veut dire 169 points par unité, enfin par data sheet, pas par unité, pardon, par data sheet. Ça veut aussi dire qu'on peut aller chercher plusieurs petites unités Forge World si le codex en est doté. Enfin, toujours la même chose, c'est-à-dire les unités interdites, toujours les Shadow Spectres, Eldar, dont on parlait tout à l'heure, qui régénèrent des tirs, et encore une fois, sur ce genre de format, c'est vraiment trop pénalisant pour l'adversaire, et aussi le Lord Discordant, qui pour le coup, c'est vrai, est trop facilement burnable, en fait, surtout est synergisable sur ce genre de format, il peut remonter les lignes entières. Il peut remonter tout, on a essayé, il a fait la game lui tout seul, avec ses petits combos qui vont bien, et il détruisait tout ce qu'il rencontrait, et en face, ils n'avaient pas la capacité de le tomber. On a testé sur plusieurs games, contre plusieurs codex. Ils ont dit, s'il y a une unité qui est trop frustrante à jouer en 169, c'est notre fameux Lord Discordant, parce qu'il ne coûte pas assez cher, en fait. Il est trop peu cher par rapport aux autres. On ne voulait pas casser trop l'existant en termes de points, et on a décidé simplement de dire, les Lord Discordant, il y a d'autres formats. Yes. Ensuite, par rapport... Et la petite bonus sur les commandeurs. C'est un nouveau, ça, Un seul commandeur peut être équipé en cycloéclateur à ion. Si le joueur choisit d'en avoir deux, donc deux commandeurs, le deuxième ne pourra pas avoir cette arme. Oui, parce que le cyclo à ion, quand on joue 4 cyclo à ion sur un commandeur, ça fait 12 tirs qui touchent à 2+, qui sont à force 8, PA-1, D3 damage. Moi, une fois, j'en ai joué 2 à 1000 points, format 169. C'est juste, en fait, tu joues 2 commandeurs de datasheets différentes. Le X et un autre X. Un Crisis. Et en fait, ça déboîte tellement tout ce que tu veux. Les élites, les véhicules, la masse. C'est anti-masse, anti-élite, c'est anti-tout. Que c'est trop fort. Alors, on peut jouer 2 commandeurs. Mais l'un qui est en cyclo, l'autre...
va être en fuseur ou en lance-missile pod, au choix de chacun. Yes. Mais pas deux fois du cyclo. Quoi. Même restriction aussi que pour la partie justement FAT, c'est-à-dire un seul aérodyme par team et toujours dans les limites des 169 points. Mm-hmm. Ensuite, il va y avoir quelques petites spécifications à ce format-là. Relation entre les deux joueurs de la même team. Oui. Donc, c'est alors là, c'est les Stratagem Codex qu'on peut ne jouer qu'une seule fois par partie et pas une seule fois par phase. Donc, il faudra bien utiliser ces stratagèmes au moment opportun pour éviter en fait le spam du stratagème trop fort. Par exemple, un Eldar qui va pouvoir tirer et se redéployer derrière. Et se cacher, puis qui ressort, qui tire et qui ressort, etc. etc., etc. Et la phase de psy, les mortels, ça fait le grand débat. C'est-à-dire, une fois que deux pouvoirs psy ont craqué les mortels, les autres pouvoirs psy, on ne comptera plus les mortels. Ils peuvent, s'ils ont d'autres effets, ils seront manifestés, mais pas les mortels. Cet élément-là, qui était sur une page d'après, est en fait que pour le 169. D'accord. Voilà, voilà. Donc, ça sera maximum 6 mortels par tour, par joueur, c'est en ça. Phase de psy. Ouais. Sauf si on fait un crit et ainsi de suite. Voilà. D'accord. On va passer un petit peu à la partie narratif. Là, on va parler des restrictions par joueur. 1000 points maximum par joueur. Restrictions classiques de Game Workshop. Donc, mm-hmm. pour le coup, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. 2 détachements maximum. On reste dans les standards, encore une fois, de l'éditeur. Maximum doublette de chaque unité. Donc, pas de triplette, sauf transport assigné et de troupes. On est toujours dans la lignée. Forge World interdit. Pas de personnages nommés et pas de Lord of War. Mm-hmm. Pour le coup, pareil sur cette histoire de Lord of War. On a commencé à réfléchir sur est-ce qu'on doit autoriser les Ika et ainsi de suite, ou même les personnages nommés type Gulliman, oui. Magnus, Mortarion. Et encore une fois, pas parce de personnages nommés. Tu prends toujours les personnages nommés forts. Parce qu'on va dire, oui, mais le petit personnage nommé. C'est pas ça le sujet. Bien le sûr. Sujet, c'est qu'on essaie toujours de voir l'optimisation et où est-ce qu'on anticipe les choses trop fortes. Et parfois, il vaut mieux mettre des restrictions un peu génériques pour être sûr qu'on va couvrir un maximum de choses, quitte à sacrifier un personnage nommé un peu moins fort. C'est vraiment une optique d'empêcher les figurines, les datasheets trop fortes, pour que tout le monde passe un très bon moment. Yes. En fait, vraiment, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que, dépendamment de votre optique de jeu, vous trouviez votre format, ouais. en fait. À part pour les personnes qui veulent jouer vraiment gros build, qui malheureusement ne pourront pas aller dans le format Game Workshop, c'est vraiment la seule coquille qu'on a au niveau de ces règlements. Mm. Ensuite, directement à la suite de cette partie-là, on va avoir une partie FAQ. Alors, la FAQ qui est actuellement dans le document qui est, elle est reprise dans un drive. Donc, d'accord, donc on va switcher On va switcher directement sur le drive si notre régisseur... Je vais juste prendre quelques questions parce que pour le coup, il y en a eu beaucoup. Il y a eu aussi beaucoup de messages. On a eu Lucas qui faisait « Salut d'un joueur Scaven ». Donc, salut à tous, c'est pour ça que j'ai mimé un peu le rat tout à l'heure. Tu m'as peut-être pas reconnu. Ensuite, Lucas, on nous demande de changer de nom de team, l'épée d'Ophile pour le French War Game Day. Je demande au chat de l'aide pour trouver un nouveau nom. Donc, Lucas, si tu es encore avec nous dans le chat, je ne sais pas si Alain Wattbar qui a toujours des idées géniales sur l'épée d'Ophile. Je l'avais pas compris la première fois. Non, mais... Putain. Excuse-moi. On va changer le nom. Vous l'avez trop bien. Pourquoi vous l'avez... Ensuite, on avait la question de Alain sur les Endless Pearls et j'y ai répondu tout à l'heure. On a eu ensuite 2 messages de Gareth. Le premier, il est où mon inquisiteur Manwë? Et c'était une question qui est liée à la précédente. Oui, parce que je ne sais pas où est l'inquisiteur. Manwë, on avait évoqué le cas de l'inquisiteur sur Discord. Est-ce que vous avez pris une décision là-dessus? Aurais-je mon inquisiteur Ordo Malleus? Oui, on peut jouer un inquisiteur, c'est au même titre que les assassins. Il n'y a aucun souci sur les inquisiteurs. Hein. D'accord. Bon, bah Gareth, t'as eu ta réponse. J'ai demandé aux arbitres, ils n'ont vu aucun souci là-dessus. Donc, de mon côté, tout va bien. D'accord. Bah, écoute, top. Je vois Thomas Leroux qui est avec nous, content de jouer les bisous en première ronde. Bah, écoute, tu pourras changer de t-shirt. ensuite, excuse-moi, on va switcher donc sur la partie drive. Le petit drive. Je sais pas si Arkhesis, c'est prêt pour qu'on puisse justement passer dessus. Donc là, pour le coup, c'est un drive. Le lien est directement mis en description. Vous y avez accès en lecture seule. Et comme c'est un document partagé, bah, si vous y connectez, il n'est pas impossible de voir quelqu'un qui est en train de rajouter justement des petites phrases dessus. On a Arkhesis qui me fait « C'était prêt. J'attends que ça, de passer au FAQ. » Donc, je vais te poser des questions. Tu nous donnes les réponses. Oui, en fait, avec un code couleur par semaine qui reprend en fait les questions qui arrivent par les différents endroits sur T3, sur Facebook, sur les Discord, sur questions@frenchwargameday.com. On centralise un maximum de questions pour que
Vous pouvez trouver des réponses aux questions que vous posez peut-être. Le document, il va grandir au fur et à mesure qu'on va avancer, qu'on va se rapprocher de l'événement. Donc, il ne faut pas prendre peur par rapport au nombre de pages. C'est simplement pour recenser un maximum de questions et de réponses et centraliser tout ça en un document unique. Yes. Alors mince, j'ai eu une question, j'avais une clarification de Lucas tout à l'heure par rapport au forêt qui bloque LinkedIn. Oui, mais c'est pour tout le monde en fait. Ah oui, c'est aussi pour le problème. Alors, la première question. Est-ce qu'au sein d'une même team, un joueur peut jouer Imperial Fist et un autre Wisecar? Nine. Exactement. Deux fois le même codex, Space Marine. Est-ce que les clarifications ETC seront appliquées? La réponse est oui. Et c'est ici qu'on va justement retrouver les liens pour aller voir. Voilà, les clarifs et la caisse. Et le fait que posez-nous vos questions si vous souhaitez. On est là pour y répondre. Ensuite, on a quand même 12 arbitres, hein, ils sont là pour répondre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, une question qui, pour le coup, a aussi créé quelques débats, même si elle peut paraître assez superficielle, c'est est-ce que je peux utiliser les stratagèmes qui me permettent de cacher des maelstroms à la vue de mon adversaire? Non. En fait, on a décidé qu'aucun élément permet de cacher une carte maelstrom, simplement parce que ça génère sur la table beaucoup d'entropie, donc lequel est caché, lequel n'est pas caché, et surtout ça consomme du temps en plus en discutant, etc. Avec 4 heures par game pour deux équipes, deux joueurs avec tous les éléments à faire, on a essayé d'optimiser le temps pour éviter que les games s'arrêtent tour 2. C'est surtout ça, parce qu'on a envie d'aller au maximum de la conclusion d'un tour 5, puisqu'on a fixé à 5 tours les games, pour éviter en fait ces éléments-là qui apportent un peu de fun. J'ai caché le maelstrom, tu sais pas lequel c'est, mais qui génère du temps et aussi pas du conflit, mais du flou, parce qu'on ne sait pas où est la carte, elle peut glisser, elle Exactement. Peut être déplacée, etc. C'est intéressant, mais ça limite cette question. On y reviendra quand on présentera les scénarios par rapport au type de déploiement, par rapport à toutes ces choses qu'on va voir au niveau des cartes. Ensuite, autre question, et c'est pareil, disons que j'ai eu envie de se poser cette question quand on a présenté le format Fate of War, c'est par rapport au Lord of War. Donc la question est, en format Fate of War, est-ce que j'ai le droit de sortir un bataillon Adeptus Mechanicus plus un Imperial Knight? Lika aurait-il un mot-clé de faction du codex Imperial Knight, type Taranis? Ou accès à ces stratagèmes? En format FAT, non. On ne peut jouer qu'un seul codex, donc on ne peut pas faire un combo de deux codex, l'un qui est Admech et l'autre qui est Imperial Knight. Donc ça veut dire qu'on a le droit, puisque ça doit être un codex, on a le droit à plusieurs détachements si ceux-ci sont de type Lord of War, donc on a le droit finalement de jouer Death Guard et Mortarion. Oui, ça oui. Et on peut jouer un Ika avec De l'Admech. De l'Admech. Sauf qu'il n'aura les stratagèmes que du codex. Voilà, que de l'Admech. Il ne pourra pas chercher dans un autre codex. Il aura les mots-clés de l'Admech. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que Dark Angel est distinct du Space Marine? Oui, c'est deux codex différents, ça. Ça, vous pouvez. Il faut vraiment voir, en fait, que vous avez le codex Space Marine, ce qu'on appelle Vanilla. Sous-entendu, il reprend les bouquins qui sont sortis comme des suppléments. Voilà. Et derrière, sur le côté, vous avez Space Wolf, Blood Angel, Dark Angel, GK. GK. Custo, c'est pas ça. Custo, c'est pas de la Deputy Astartes, donc il me semble qu'on les a tous. Voilà, on a quasiment tous, ouais. Ensuite, question qui est apparue justement la semaine suivante. Ouais. Dans le format 169 points, y a-t-il une restriction complémentaire concernant les taux? Donc ça, c'est les éléments qu'on a retranscrits dans le règlement, hein. Pas deux fois les cyclos. Sur les 60 figurines ou les 40 figurines, parce qu'on a plusieurs fois ces questions-là, c'est le règlement qui désormais stabilise les quatre formats avec les restrictions afférentes en fonction du nombre de pitous. Ensuite, dans le cadre des restrictions... Alors, attends, oui, parce qu'il y a un peu de redite, hein, parce qu'on a essayé de multiplier les lieux d'échange et de réponse pour qu'un maximum d'informations soient diffusées. Hein. Yes. Dans le cadre des restrictions de type 60 figurines max ou 169 points par datasheet, est-ce que cela inclut l'invocation? Oui. Est-ce que les figurines... Pour éviter de contourner par une invoque, de ramener 20, 30 plagues de plus gratos. D'accord. Ensuite, on a deux questions, on y a déjà répondu, à savoir est-ce que les socs doivent être peints, et aussi au niveau du format 160, du format FAT, est-ce qu'il y a un nombre de figurines? C'est aussi, on y a répondu, c'était 60. Est-ce que le choix de la faction effectué sur Tétois est-il contraignant? En fait, quel que soit le choix de faction, le choix d'armée, le choix de votre format, tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent est purement indicatif pour nous. Même ton pote, si c'est toi qui as payé, t'as le droit de le dégager. L'important, ce qui fera foi, c'est quand vous allez envoyer votre liste sur Mini Headquarters, on vous donnera toutes les informations là-dessus. Mais pour l'instant, c'est purement indicatif.
Par rapport à ce que une question de Mandy assez intéressante qui fait « S'il vous plaît, pour les datasheets intercessors Space Marine, comment cela se passe-t-il, par exemple, pour les Reavers ?» En fait, à partir du moment où c'est un datasheet différent, on va prendre l'exemple des Blood Angels. Tu as le datasheet intercessor et tu as le datasheet, j'en sais rien, intercessor de la Compagnie de la Mort. Mm-hmm. Bah, c'est des datasheets différents au sein de ton codex, donc tu as le droit de les cumuler. Voilà, c'est vraiment… Par contre, les entrées sont différentes. Voilà, c'est l'encadré qu'il y a dans le codex, c'est un encadré différent, vous pouvez les jouer. Est-ce que les figurines légendes sont jouables? Pour les personnes qui ne connaissent pas ce type de figurines, en fait, faut savoir qu'en fait, les figurines qui ne sont plus dans les codex ou qui n'ont plus de valeur en points, on va dire, traditionnelles, sont maintenant publiées dans un ouvrage qui reprend les figurines de légendes, souvent des figurines d'anciennes versions, sur le site Game Workshop, hein, sur la partie Warhammer Community, dans la partie FAQ, vous avez la partie justement légende. Et est-ce que ça sera autorisé? Non. D'accord. Est-ce que les Drukhari bénéficient d'une exonération pour les restrictions de troupes? Non plus. D'accord. Les traits de seigneur de guerre, des reliques, des pouvoirs psy, des litanies sont-elles fixes? Non. Vous pouvez les changer en début de chaque game, mais si vous ne les changez pas, c'est la liste qui fait foi. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'elles soient écrites en dur dans la liste. Exactement. Comme ça, c'est un oubli. On sait se référer à ce qu'il y a dessus. D'accord. Est-ce que les Forge Worlds sont autorisés en tournoi? Encore une fois, on y a déjà répondu dépendamment des formats. C'est en fonction du format. Est-ce que le stratagème contre-offensive, donc counter-offensive en anglais, du livre de règles peut être utilisé deux fois dans la même phase de combat, une fois par chaque joueur? Oui, mais alors on est dans l'alternance. C'est-à-dire, si toi tu m'as chargé, moi je peux t'interrompre avec une première armée, ensuite quelqu'un d'autre peut taper. Je tape une unité, une fois qu'une unité a tapé, tu peux m'interrompre. Je peux interrompre. Ensuite, mon binôme ne peut pas retaper derrière avec son D'accord. stratagème. En fait, vous pouvez tous les deux utiliser le stratagème, mais ça reste quand même du camp par camp en termes de ping-pong. Voilà, c'est AB, AB. C'est pas ABB, si on veut. Ok. En tout cas, je pense que c'est clair. En tout cas, par camp, on a le droit de le faire, mais alors on sera quand même sur... En séquencé. Ouais. D'accord. Puisque, de toute façon, ça paraît logique, puisque le stratagème dit qu'il faut qu'une unité ennemie ait combattu. Ouais. Ensuite, comment sont gérés les stratagèmes ou autres effets qui modifient des caractéristiques telles que le mouvement qui ne concerne pas tel ou tel joueur? Je vais prendre un autre exemple que celui qui est listé ici. Si je te tire dessus avec une grosse arme qui diminue ton mouvement par deux, oui. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, si toi tu m'as tiré dessus, je n'ai pas besoin d'aller vers toi pour avoir mon mouvement divisé par deux, ce sera un effet global. C'est-à-dire, si je vais vers toi ou vers ton binôme, je serai divisé par deux. Oui, parce qu'on m'a demandé, oui, mais si je me rapproche plus vers lui, est-ce que... Il y a vraiment des mecs qui ont posé la question? Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on rassemble. Mais c'est bien parce qu'ils voient l'ensemble des possibilités et c'est ça qui fait la richesse des échanges qu'on a avec l'ensemble de la communauté. C'est que ça permet de rassembler tout ça et très bien en amont de l'événement pour éviter « Oui, mais attends, vous avez dit que c'est très bien, ça permet vraiment d'échanger et d'optimiser le fonctionnement le jour J. » D'accord, question aussi très, très vicieuse. Est-ce que le stratagème d'invocation d'assassin est valide? Oui, mais il faut l'écrire sur la liste et le copain ne pourra pas le prendre par contre, puisque c'est un codex, on ne peut pas avoir des assassins qui popent des deux côtés. D'accord, donc en gros, ça veut dire que tu dois garder 95 points, parce que je crois qu'il a pris 10 points depuis le chapter approuve, et que tu dois figurer 95 points de renfort ou directement les stratagèmes que tu veux utiliser. Tu dois mettre 85 points de renfort. 95 maintenant. 95, oui, pardon. Petit 85. Attends, c'est une évidence de faire baiser. C'est plus cher maintenant. Est-ce que le nombre d'unités Forge World est limité par équipe ou par joueur? C'est écrit dans les restrictions. Tout ça est précisé à chaque fois. D'accord. Est-ce que les rez-de-chaussée des ruines seront bloquants pour les lignes de vue? Oui. Ça fait partie des conventions tout à fait. ETC dont on a parlé tout à l'heure. De toute façon, je crois quasiment pour l'ensemble des décors qu'on n'a pas encore montré, ceux-ci sont pleins. Oui. Ensuite, est-ce que le coéquipier d'un joueur à Eldari qui fait le sort moins c'est la même. L'a répété parce que c'est arrivé à plusieurs reprises, donc ça permet en fait de préciser un maximum d'informations, surtout quand on fait un contrôle F ou quand on cherche un petit peu, ça permet d'avoir D'accord. un maximum. Est-ce que les personnages nommés sont illimités, sous-entendu? Est-ce qu'on peut chacun en avoir un ou plusieurs, etc. On peut mettre plusieurs personnages nommés, mais pas plusieurs fois le même, quand il est quand il ne peut jouer qu'une fois. D'accord. On a une question de Arnaud que je trouve intéressante. Donc, quand un sort ou stratagème annule un couvert sur un décor, qui en profite? Celui qui l'a lancé. D'accord. Ok. Ensuite, si les deux joueurs ont accès au même stratagème codex, peuvent-ils le lancer chacun une fois? Oui, qui a déjà répondu tout à l'heure, c'était oui. Est-ce que la stratégie épurée est-elle appliquée? Je ne vois pas où tu es, mais je suis d'accord avec toi. Je suis ici. J'ai peut-être utilisé leur temps. Mais réponds à la question. Non, elle n'existe plus. La stratégie épurée n'existe plus parce qu'il y a les nouveaux Maelstrom qui sont issus du chapter approved. D'accord, je vais retourner au début de la page. Excuse-moi. Ouais, c'est pas mal.
Est-ce que chacun des joueurs est équipé d'un seigneur de guerre différent ou faut-il un seigneur de guerre par équipe? Chaque armée, donc chaque joueur, a son seigneur de guerre. Et donc son trait de seigneur et de guerre. Et donc son trait de seigneur de guerre. D'accord. Donc, par contre, deux dans le cadre seigneurs où de guerre, ça peut faire l'impérium, ça ne marcherait pas. Parce que ça voilà, mais c'est deux armées séparées. Donc si vous avez un seigneur de guerre, maître chapitre, qui a un buff quelconque, il ne peut pas être transféré à votre binôme. D'accord. Mais comme vous avez deux seigneurs de guerre, si votre adversaire tue un seigneur de guerre, il marque un point. S'il tue les deux, et il gagne marque de deux points. Il gagne deux bouteilles de chance. Une. C'est du bénévolat, bordel. Oui, c'est ça. Ensuite, donc toujours dans la même lignée de type de questions, est-ce que le bien suprême des taux peut-il être activé quand une unité alliée se fait charger? Non. Encore heureux. Donc si vous avez une barricade devant vous de figurines et que vous êtes derrière et que vous attendez pour le bien suprême, si on charge votre copain, vous ne tirez pas en appui-feu. Hein. Ou alors on active le friendly fire, ouais, et tu risques de faire des trous un peu partout. Ensuite, est-ce que les Drukhari peuvent jouer triple patrouille? Sous réserve que le format l'autorise. Bien sûr. Ensuite, le règlement du format 169 prévoit qu'un stratagème ne peut être joué qu'une seule fois par partie. Est-ce que du coup, un stratagème qui serait contré par un vect et que la personne fait par exemple 6, sous-entendu tu payes tes points de commandement et tu n'as pas les effets, oui, est compté comme étant utilisé? Non, il revient dans la main en fait des joueurs, en format 169, hein, vu qu'on a le droit d'utiliser les stratagèmes qu'une fois par partie, il n'est pas dépensé. Il revient et pourra être utilisé une deuxième fois. Enfin, d'accord. Une nouvelle fois. Si les deux joueurs ont accès au même stratagème codex, vétéran de la longue guerre, ça tu l'avais posé, on en a parlé tout à l'heure, mais moi je voulais justement poser une autre question. Oh, attention. C'était que si par exemple on veut lancer deux fois le même sort, un mon collègue et un moi-même, comment ça marche? Le même sort? Bah en fait chacun nos sorts, mais si c'est le même wording et le même nom. C'est compliqué avec des codex différents d'avoir le même sort avec le même wording. Je n'ai pas d'exemple en tête, mais j'avais envie de poser la question pour voir si on a un exemple. Parce qu'en fait, j'ai une petite veine qui apparaît ici quand il réfléchit trop et j'essaie de la faire apparaître. Si on a un exemple, veine, on est prenable, hein, mais pour l'instant, j'en vois pas. Mais on répondra à la question le cas échéant. D'accord. Ensuite, il y avait la question que j'ai déjà posée, à savoir la stratégie épurée, mais celle-ci ne fait plus partie, justement, dans le chapter approuve 2019. On a fait le tour des principales questions qui sont référencées pour l'instant. Oui. Il faut savoir que on a lancé, je crois, le 3 ou 4 janvier, le Discord French War Game Studio, et que dans celui-ci, vous avez directement une catégorie dans laquelle vous pouvez poser vos questions pour les French War Game Day. Oui. Et quand la question n'a pas déjà été trouvée, enfin ne trouve pas de réponse dans ce document, alors automatiquement, elle va y être copiée-collée et trouver une réponse. Oui. Enfin, le châtiment, ça compte pas. Le châtiment, vous pouvez le spammer, hein, parce qu'il y en a pas mal qui nous parlent du châtiment. Enfin, vous pouvez le spammer, il y a juste le plus un qui monte gentiment. Non, mais par exemple, en fait, si on prend un des ex, tu peux l'avoir côté Space Marine du Chaos, et un joueur Thousand Sun peut payer un chamallow ou ainsi de suite pour aller le chercher. Ah, et donc, on pourrait lancer deux des ex. On va travailler dessus. Ok. À peine on pose la question, on a énormément de cas qui apparaissent qui va enrichir la préparation de l'événement. En fait, là où il faut vraiment comprendre, c'est que vous avez certainement une idée vicieuse en tête. On va jouer deux choses, on va faire deux wartime et on va les défoncer, ce qui est complètement normal. Hein. Oui. Mais ça nécessite plus que de juste avoir ce cas. Il faut l'appliquer à malheureusement l'ensemble des datasheets et des situations possibles pour voir s'il n'y a pas un moment où on trouve un trou dans la raquette et que ça crée trop de frustration. Oui. Si on prend l'exemple même du format FAT, hein, si jamais vous voulez perdre vos potes et vous faire crever vos pneus sur le parking de Grenoble, c'est simple, hein, vous mettez un Lord of Skull et vous le faites warp time, et à mon avis, c'est dégueulasse. Et tu mets un Lord of Skull à côté, il y a moyen de faire un truc vraiment, vraiment crade. Donc voilà en tout cas pour la partie Q&A. Ça, c'était des choses qui étaient déjà, entre guillemets, publiées et qui viennent de trouver une clarification. Maintenant, on va passer à l'exclusivité et on va parler des scénarios pour la partie Warhammer 40 000. On va parler quasiment que des scénarios pour la partie Game Workshop et la partie 169 pour la partie narratif. Ça sera encore une petite spécificité. Et on vous dévoilera les scénarios au fur et à mesure du fluff. Enfin, en tout cas, que le fluff sera publié aussi bien sur la partie AOS que 40K. Enfin, que pour la partie 40K, puisque la partie AOS, on en a parlé tout à l'heure, ça sera le jour de l'événement. Donc, on va changer un petit peu de document. Est-ce que Arkhesis, on est bon? Oh là là, attention. Il était déjà prêt. Est-ce que toi, tu es bon? Non, moi je suis pas prêt. Fais voir la veine, monte ta veine. Attention. Alors. Donc là, on passe au scénario. Les scénarios 1, 2, 3, 4, 4 games, hein, de samedi, de dimanche, qui vont être joués, c'est les mêmes scénarios qui vont être joués sur l'ensemble des poules, sauf le narratif. Et donc, ça nous permet d'avoir un élément simple à piloter en termes de scénario.
Yes, le lien du scénario, c'est ce que je vérifie aussi, est déjà en description. Donc ouais. Normalement, vous pouvez les ouvrir et découvrir ça avec nous. Déjà, il faut savoir que ce document commence par les règles, on va dire, qui vont s'appliquer à l'entièreté des scénarios. On va donc avoir les aspects généraux. Les scénarios se basent sur le chapter approuve 2019. Les intrigues de guerre, page 70 de ce livre, sont appliquées aux restrictions et aux modifications suivantes. Ouais. Par rapport aux piles d'objectifs, on va avoir une seule pile d'objectifs par équipe. Oui. C'est pas chaque joueur qui a son maelstrom, c'est une seule pile par équipe. Les maelstroms choisis dans la pile d'objectifs au nombre minimum de 18 doivent être notés sur la liste d'armées. Ils seront fixes pour l'ensemble du tournoi. Oui. L'objectif tactique aube prioritaire, ordre prioritaire reçu, l'ordre 66, ne sera pas joué. Les objectifs 11 à 16 ne peuvent être choisis pour être dans une pile d'objectifs. Oui. N'indiquez que les numéros des objectifs suivant l'exemple ci-dessous. Par exemple, si vous souhaitez tout sauf le 64-65. Donc, on le voit dans le petit exemple, on a mis ici tout sauf le 63, le 65, bien évidemment le 66, parce que celui-ci est proscrit. Voilà. Ensuite, contrôlez les pions d'objectifs. Les pions d'objectifs sont considérés comme étant en deux dimensions, c'est-à-dire plat. Un joueur contrôle un objectif à 3 pouces ou moins du centre de l'objectif. La règle objectif sécurisé est en application. Là, pour le coup, on est sur du standard au sein oui, de justement très, de Game très classique, c'est un rappel. C'est purement pour préciser. Yes. Perte acceptable, n'utilisez pas la règle mort subite pour l'émission des French War Game Day. Si une équipe est table rase, la partie continue naturellement jusqu'au tour 5, ouais. Puisque d'ailleurs, on va s'arrêter automatiquement au tour 5. Il n'y aura pas de jet de pas de jet, pas de tour 6, pas de tour 7, seulement tour 5. Yes. Ensuite, durée de la partie, tout compris, ça va être 4 heures. Oui. C'est encore une fois ce qui a déjà été testé, approuvé. Ça paraît beaucoup, mais en 2 contre 2, c'est un format qui est un petit peu plus long. Donc vraiment, 4 heures, normalement, vous avez le temps au moins de faire une belle présentation de ce que vous allez jouer aux personnes qui sont en face de vous, de prendre le temps quand même d'aller aux toilettes, ainsi de suite, de faire le caca de la peur, bien évidemment. on sera équipé pour recevoir ce genre de plaisir. Ensuite, au niveau de la séquence pré-game. Un petit rappel de la séquence pré-game, hein, c'est-à-dire qui choisit son traitement de guerre, ses pouvoirs psy, ses stratagèmes pré-game, placer les objets, choisir attaquant-défenseur. Attention, ça a légèrement changé par rapport à avant Chapter Approved. Hein. Maintenant, c'est, on lance un dé, il y a l'attaquant, le défenseur. Donc, on peut choisir qui choisit sa zone de déploiement pour choisir qui commence en premier. En fait, pour le coup, ils ont juste maintenant appliqué le mot attaquant et défenseur, puisqu'avant, c'était joueur avec l'initiative, blablabla. Voilà, et ils ont harmonisé ça avec, à partir du moment où, en général, tu gagnes le premier jet de dé, tu es soit attaquant, soit défenseur. Voilà, mais tu peux choisir. Celui qui lance le dé choisit. Qui attaquant défenseur, avant, tu lançais le dé, tu choisissais obligatoirement ta zone de déploiement. Donc, ça donne un aspect stratégique un peu plus intéressant et ils ont normé avec deux mots très clairs. Ce qui était bien, parce qu'avant, tu voulais perdre ce premier jet de dé, ce qui était débile. Oui, tu voulais le perdre. Et sachant qu'on se base sur le chapter approved 2019, hein, c'est vraiment de l'intégration quasiment native du chapter approved. Yes. Donc pour le coup, tu viens un petit peu de rentrer dans les grandes lignes de la séquence pré-game, on ne va pas la lire dans le détail puisque c'est 10 points, mais je vous invite quand même à vous-même la lire et à l'appliquer à vos parties à la maison, puisqu'encore une fois, ça clarifie énormément le jeu, ça crée un climat, on va dire, de confiance et d'équité entre les deux joueurs, c'est beaucoup plus sympathique. Rappel, un round de bataille est composé de 2 tours d'équipe, sous-entendu équipe A, attaquante ou défenseur, mais en tout cas, ça reprend justement les deux. Ensuite, on va parler justement de la cloque. La cloque n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé. Il est conseillé d'utiliser la cloque pour mesurer le temps écoulé pour chacune des deux équipes. Une application utile est Clock Chess. Oui, c'est une application qu'on met sur son téléphone qui fonctionne très bien, qu'on utilise dans les tournois où on n'a pas assez de cloques physiques. Nous, on va en ramener une 50aine le jour J, mais comme il y a 250 tables, on ne pourra pas les fournir à l'ensemble des joueurs, en fait. Sinon, on n'a pas la ressource matérielle. Donc, si vous voulez jouer avec Clock, c'est bienvenu. Mettez-la sur votre téléphone, hein, ça fonctionne assez bien. Et les arbitres, par contre, pourront le mettre de manière discrétionnaire, la Clock, à certaines équipes, si on anticipe ou si on remarque un décalage de temps. Mais c'est vraiment un outil. La Clock a résolu 75% des problèmes qu'on rencontrait avant, quand elle n'existait pas, en termes de gestion du temps, de joueurs qui jouent trop lentement, trop vite, sans même s'en rendre compte. Hein. Yes. Simplement, parfois, quand on n'a pas beaucoup de figurines, mais qu'on réfléchit à énormément de points, quand on veut tout faire, toutes les phases, on peut simplement prendre du temps. Et quand on a envie que tout le monde passe plusieurs tours, 5 tours, la cloque est vraiment conseillée. On est d'accord. Je tiens quand même à préciser que la cloque, c'est fin. Les cloques sont nos amis, et que comme tu viens de le dire, en gros, c'est là pour résoudre des problèmes et pas créer des frustrations. Oui. Donc voilà. Vraiment, au pire, vous avez un problème avec cette fameuse cloque, hein, si vous levez la main, il y aura quand même une énorme équipe d'arbitres pour justement encadrer une bonne partie des tables. Donc vraiment, le but, c'est que chacun y trouve son compte.
Ensuite, au niveau des feuilles de score, elles seront uniques à chaque scénario. Voilà, et on va en rajouter, en plus des scénarios, un élément qui permet de bien piloter, de bien compter, pour éviter tout... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on compte? Tout ça, ce sera des outils qui permettront aux joueurs d'avoir un maximum d'informations et d'aide pour réussir à bien... Enfin, à ce que ça se passe dans les meilleures conditions. Yes, question pour toi. Est-ce que le moins 1 en psy des tyrannides, donc l'ombre en Loire, touche-t-elle notre allié? Ah non, 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 non. Ah, ce serait génial. Je sais pas si ça serait génial, mais oui. J'ai la veine. Ensuite, on va voir rappel à toute fin utile. Encore une fois, hein, ça fait partie aussi des règles, on va dire, qui sont génériques et bien souvent appliquées. C'est les unités ayant le rôle tactique et aéronef ne contrôlent pas les pions exécutifs, ni pour l'éternel, ni pour le maelstrom. Une partie dure 4 heures, déploiement inclus, donc c'est vraiment tout compris. On essaiera d'être très réactif aussi sur le fait d'afficher les tables sur lesquelles vous allez être assigné pour que vous puissiez y aller le plus vite possible. Surtout qu'on envisage que ce soit fait à travers une application dans laquelle c'est l'endroit où vous aurez vos listes, donc il suffira de voir son téléphone, on fait « Oh, je suis table 28 ou table 152 », ce qui permet d'éviter qu'on passe du temps à chercher sur un vidéoprojecteur, etc., sa table. En fait, tout sera géré sur l'appli, ce sera beaucoup plus rapide, passer plus de temps à discuter et à déjeuner plutôt que de chercher sa table. Yes. Ensuite, on va avoir pour l'intégralité des corps, les fenêtres complètes et non endommagées de rez-de-chaussée sont considérées quand même comme bloquantes. En cas de doute, rendez-vous sur le dossier décor de la FEC, puisque vous avez fait justement... Un dossier qui permet d'expliciter avec les caractéristiques, qui peut traverser, qui ne peut pas, etc. Yes. Ensuite, on a les marqueurs d'objectifs doivent être posés au sol de rez-de-chaussée. Mm-hmm. C'est donc en deux dimensions, comme c'était écrit tout à l'heure. Et les buffs, des buffs n'affectent que votre armée et ne profitent pas à votre allié, sauf ceux qui touchent au mouvement et au moral d'unité adverse. Voilà, c'est pour préciser encore une fois. Ensuite, on va découvrir le premier scénario, donc celui du match 1. Mm-hmm. On voit qu'on est sur un déploiement en aube de guerre, complètement standard. Classique. Je te laisse nous en parler. Déploiement classique aube de guerre, 12 pouces pour chaque zone. Placement des objets, vous n'avez pas de contrainte, hormis d'alterner avec vos adversaires, objet 1, objet 2, objet 3, etc. Comme d'habitude, pas de mort subite, donc même si vous êtes table rase, on va jusqu'à la fin. Objectif tactique et maelstrom, d'un point de vue général, ça va être toujours la même chose, comme le chapter approuve. Vous avez 5 cartes en main. Sur ces 5 cartes en main, vous en choisissez 3 en jeu. C'est les 3 à faire à ce tour-là. Avec ensuite, d'un point de vue général, il y aura toujours un maelstrom, un éternal et les kill points qui vont être dans chacun des 4 scénarios. Et donc, par exemple, ici, donc les maelstroms, ça va toujours être la même chose. Hein. 5 cartes en main, 3 cartes à mettre en jeu. Et l'éternal, par contre, il va changer. Ici, c'est croisade. C'est l'ensemble des scénarios qui sont prévus dans le chapter approved. 2019, on a pris 4 maelstroms et 4 éternals, très légèrement modifiés au besoin. Et là, par exemple, c'est au début du tour, on marque un point de victoire par objectif qu'on contrôle pour l'éternal. D'accord. Autorité restreinte, c'est lorsque vous pouvez choisir un objet dans la main adverse, dans la main que l'adversaire a posé en jeu, vous pouvez le renvoyer et l'adversaire peut en mettre un autre. Donc c'est vraiment pour mettre un peu de fun dans le maelstrom. Encore une fois, c'est 100%. Ça va créer des scissions dans les équipes, ça. Attention. Ça va se régler sur le parking à 3h du mat, ça, je le sens. Après, vous ajoutez première tatane. Tuer les seigneurs de guerre à 1 ou 2 points en fonction du nombre de seigneurs de guerre que vous avez tués, et briseur de la ligne, et les kill points. Petite précision qu'on n'a pas encore vu, excuse-moi, sur ces fameux kill points. Donc, un kill point, ce qu'on appelle vulgairement un KP, c'est le fait de détruire entièrement une unité. Mm-hmm. Particularité quand même, c'est par rapport au Lord of War. Oui. Alors, Lord of War, on a mis un petit bonus. Vous avez un point de victoire, non pas quand vous tuez le Lord of War, mais quand vous lui enlevez 8 points de vie. Et c'est cumulable. Donc, vous en enlevez 8 ou 9, vous avez un point de victoire. Si vous en enlevez 17, c'est par tranche entière de 8 points de vie. Ça rajoute un petit peu d'envie de tuer les Lord of War. D'accord. On enchaîne ensuite avec le scénario numéro 2. Encore une fois, alors on est sur... En fait, vous verrez que... On n'a mis aucun déploiement de type marteau et enclume, puisqu'en fait, les tables vont être réparties d'une certaine manière qu'on ne veut pas que vous ayez, entre guillemets, à tout le temps traverser. Etc. Ouais. Donc, ensuite, un déploiement en quart de table, avec une contrainte sur le placement des objectifs, puisqu'on va jouer les piliers. Donc, il y en aura un dans chacune des zones. Hein. Les données, les mesures sont prévues. Le cinquième et sixième est placé à notre convenance. Ensuite, vous avez encore une fois un maelstrom classique et un Eternal War.
Tu veux que je lise l'ensemble des Eternal Wars, non, etc. Non, 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 les parce qu'en fait, on les a copiés en français, on les a collés sans autre forme de procès. Donc, c'est vraiment d'accord. À la décharge de petites coquilles qu'il pourrait y avoir au niveau du wording utilisé dans ce scénario, on a fini la mise en page quelques minutes avant le live. Donc, en tout cas, si normalement, vous remarquez des coquilles, des éléments, des points qui sont bizarres, parce qu'on a dû les adapter en fait pour passer de un joueur à une équipe. Donc parfois il y a un petit battement là-dessus. Yes. Mais c'est vraiment, en plus on a repris les mêmes termes que le chapter approve en français. Donc normalement c'est transparent. Et n'hésitez pas si vous remarquez un point. Mais sinon c'est vraiment un élément très nouveau parce que ça sort du chapter approve, mais très classique parce que c'est des scénarios joués. Yes. On va découvrir ensuite le scénario numéro 3. Je trouve ça déjà très bien parce qu'à chaque fois, la Diago, elle est super chiante à dessiner. Ouais. Et là, vous avez mis le marquage justement de 33,6 pouces justement sur la largeur et de 50,4 sur la longueur. C'est de la trigonométrie. C'est de la trigo. On a fait quelques rapides calculs de trigo pour stabiliser la taille du triangle à virgule pouce, donc à 0,1% près, ce qui est relativement stable. Et donc, ça permet de rapidement faire sa Diago plutôt que tracer la diagonale générale. Ensuite, se mettre à 12 pouces chacun, ce qui prend toujours un peu de temps. D'accord. Qu'est-ce que tu peux dire très rapidement, en fait, sur le mode de fonctionnement de ce scénario? Ben en fait, encore une fois, un Maelstrom très classique. Et ensuite, comme vous devez placer des objectifs dans la tranchée du milieu, dans votre zone de déploiement et dans la zone de déploiement adverse, en fonction de où vous contrôlez les objets, si vous allez chercher ceux de l'adversaire, vous allez gagner plus de points que si vous restez chez vous. C'est le scénario qui a été joué sur le live qui n'a pas été rediffusé. Ah oui. Donc ça oblige d'aller chercher des points chez l'adversaire, mais on se retrouve dans la ligne adversaire de l'adverse, ou de rester chez soi, mais on va moins scorer de points. Ensuite, on va passer au scénario 4. On est sur un hybride avec un déploiement en pointe, mais toujours en double guerre. Pointu, voilà, le scénario du dimanche soir, avec simplement du contrôle d'objectif. Pourquoi le dimanche soir? Parce que le dimanche soir, moi j'aime bien que le scénario, le déploiement soit simple à faire. Ah d'accord. Donc c'est un aube de guerre, tranquille, hop. J'ai l'esprit bien pointu. Ah, même. Pardon. Arcusis aussi, parce que... J'ai pas du tout compris ce que j'ai entendu, alors. Il a fait le... Et donc tu as simplement un point de victoire quand tu contrôles l'objet. Alors attention, certains Eternals, c'est en fin de battle round. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des ressources suffisantes pour aller chercher l'objectif en fin de battle round. Et donc jouer en deuxième, c'est pas mal. Et d'autres où c'est en début de tour. Donc il faut encaisser la phase du tour ennemi pour scorer des points. Parce qu'il faut que les pitous soient encore là au début de ton tour. Donc après que l'adversaire a tapé. D'accord. On a fait le tour. Oui, des quatre scénarios. Encore ils sont fois, maintenant en ligne. Hein. Yes, ouais. ils sont en ligne. Le lien est directement dans la description. Encore une fois, normalement, ça sera le même lien, mais au pire, il va peut-être y avoir des errata qui vont se greffer vont dessus. Se faire, si avec on un voit... code couleur hein, qu'on mettra pour bien mettre en évidence les modifs qui seront apportés. Et le lien va être fixe, c'est le document qui va évoluer. Yes. Il faut quand même noter, on n'a pas abordé un point, c'est le point des décors. Tout à fait. Puisque, en gros, ceux-ci sont en cours de conception. On va être sur des décors... pas identique, mais en tout cas sur le même modèle que ceux qu'on avait sur le Viribic Fate of War, donc des décors imprimés en dur avec une théorie de charte graphique assez sympathique, propre à l'événement, aussi bien pour la partie AOS que pour la partie 40K. Mais pour que les gens puissent justement aiguiller leur liste, puisque par exemple on avait vu à l'ETC dernier que les tables étaient vraiment chargées et que ça aurait pu impacter la constitution de certaines des listes, comment est-ce que là ça va se passer? Comment vont les tables vont être justement est-ce qu'elles vont être denses? Est-ce qu'il va y avoir des plaines? Comment est-ce que ça va se passer? Alors on a prévu de jouer 4 décors de type grande ruine. Donc des ruines de 9 pouces par 9 pouces par 9 pouces. Il y en aura 4 sur la table. Ensuite, il y aura 4 petites ruines de 6 pouces. C'est donc des triangles. Oui, c'est des triangles. Oui, c'est des triangles de 9 par 9 par 9. Ensuite, ça va être des ruines de 6 pouces par 3 pouces par 3 pouces. Un peu plus petites, mais vraiment au sens ruines, donc, comme livre de règles. Donc 4 grandes ruines, 4 petites ruines et quelques cratères qui vont être disséminés. Cratères qui font moins 2 à la charge quand vous chargez à travers un cratère. Donc c'est des tables relativement chargées pour éviter les tirs à longue portée des taux ou de nos camarades qui tirent très fortement s'il n'y a pas de bloquant, qui permettent quand même aux armées de corps à corps de pouvoir gérer les approches, etc. Donc des tables moyennement chargées si on est en format ETC, mais suffisamment intéressantes pour que tout se passe bien. D'accord. On a fait le tour des sujets qu'on voulait aborder. Tu voulais rajouter des points? Oui, je vérifie rapidement deux choses. Si vous remarquez des angles morts, n'hésitez pas à nous le dire, parce que ça nous permet de tout traiter en avant. Et l'équipe arbitrale sera là le jour J pour répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient. On est vraiment là
pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, venez-y de manière très détendue. On est là pour que tout se passe bien. Voilà. Bien sûr, c'est clair. Ça, sa veine, elle s'est absorbée. On a fait le tour de la partie jeu pour les French War Games Day. On va maintenant demander à Nico Prime de nous rejoindre. Manoué, tu vas nous laisser. Je vais disparaître. On ne te reverra pas, en tout cas, sur cette partie-là du plateau. Un grand merci à toi d'être venu. Encore une fois, tu es aussi disponible assez souvent sur le Discord de French War Games Studio. Si jamais il y a des questions de règles, aussi bien ou pas sur l'événement, dès que tu y es, on peut tout simplement t'envoyer un petit MP. Entre deux cours et deux concours blancs, on essaie de se glisser le tournoi. Donc voilà, merci infiniment. Ça va me permettre d'accueillir justement donc, Nico Prime. Hop. Yes, il a vaniche. Alors, il y a Magna Grégory qui te donne une belle veine, Manoué. Bienvenue. Bonjour. Est-ce qu'on peut faire un petit test de micro pour s'assurer que tout est OK chez toi pour Arkizis? Est-ce qu'on entend bien Nico Prime? 1, 2, 3, tu m'entends? Impeccable. Donc, on va parler, bien évidemment, de la partie Midi The World, mais pas que, puisqu'on va parler de ce tournoi, de ce concours de peinture, mais aussi de l'animation, puisque pour l'ensemble des visiteurs qui pourront venir voir aussi comment se déroule un tournoi sur Warhammer 40 000, Age of Sigmar, sur la partie aussi Carnage, et les jeux FFG, donc les différents univers autour de Star Wars, on va aussi avoir pas mal justement de shows de peinture. C'est ça, on va pas y avoir que le concours de peinture à regarder ou de choses pour découvrir la peinture. Il va y avoir d'autres animations et pour information, il me semble que l'accès, enfin les réservations pour les visiteurs se fera à partir du 1er février. D'accord. Donc pour les gens qui veulent réserver leur place à l'avance ou nous permettre plutôt d'anticiper l'affluence des personnes, à partir du 1er février, normalement, ça sera ouvert. Voilà. D'accord. Je rappelle quand même que pour les inscriptions de peinture, il faut le faire en avant, enfin en tout cas avant la visiteur, même si c'est le même tarif, pour pouvoir participer. Voilà. Yes. Avant de justement de rentrer dans le détail de ces petites animations, de ce show, on a une très très bonne nouvelle qu'on va dévoiler ce soir, c'est les trophées. Les trophées. Ouais. C'est rigolo, il y a quelques mois maintenant, c'était très difficile, on avait parlé sur le dernier CDA, il y a quelques mois j'ai eu la chance de rencontrer justement le sculpteur qui s'est occupé de ces deux trophées, celui pour le jeu et pour la peinture, Edgar, qui est un énorme sculpteur, ça a été vraiment fait par des personnes déjà françaises, ou en tout cas francophones, qui sont sur le territoire français, pour la partie design que pour la partie sculpture, et c'est une vraie fierté ce qu'on va vous présenter, il y a eu beaucoup de boulot qui été fait en amont, des gens talentueux, des gens qui en plus font partie de la communauté et qui font des choses pour elles. Donc, c'est vraiment une super nouvelle. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on envoie un visuel? Oui, en fait, on voulait que l'événement du Mini Awards soit particulier et que le French War Game Day aussi soit particulier. Et pour ça, au même titre qu'on a eu des statuettes dorées de démons, on va pas donner de nom, mais enfin voilà, vous aurez tous compris. On voulait que l'événement ait aussi son trophée bien particulier et qu'il soit remarquable. Donc effectivement, pour ça, on a procédé par étapes. On a d'abord voulu chercher à créer un concept et ensuite, effectivement, on l'a fait sculpter. Clique pas encore. Il faut savoir que le brief a aussi été compliqué parce que beaucoup d'idées qui partent dans tous les sens. Il fallait aussi bien que ça puisse justement sacraliser le concours de peinture. Ça a été la première étape en fait. Ce qui a introduit, vous allez voir qu'en fait ce trophée a été décliné aussi bien pour la peinture que pour le jeu. Mais déjà dans un premier temps, ça a été par frustration de se dire que même si en France on a la chance d'avoir des très très beaux concours de peinture comme Montrouge, comme plein d'autres choses, on voulait retrouver la patte du Games Day, avec des figurines de jeux, avec l'ADN qu'on aime, même si encore une fois ça ne va pas être spécifique qu'à l'univers de Game Workshop, retourner quand même un petit peu vers ce qui a créé justement l'émulation au sein des Games Day, c'était la distribution des Golden Demons. C'est ça. Et quoi de mieux qu'un trophée pour ça? Mais exactement. Et puis on avait aussi le souci dans la conception de tout ça de dire on ne va pas faire un copier-coller bête et méchant du trophée de X ou de Y. Ça aurait été dommage. Donc, on voulait vraiment quelque chose de nouveau, enfin d'inconnu, de vraiment nouveau, mais aussi de. Comme je l'avais déjà dit. Comme je l'avais dit, moi j'ai voulu faire le concours de peinture, et enfin l'ensemble peinture, le plus waouh possible. Donc forcément, on n'allait pas se contenter d'un petit truc en plexiglas ou enfin on aurait pu. Le pinceau dans la main, enfin etc.
Donc on voulait quelque chose de plus. Donc on a fait appel à quelqu'un. Enfin, on avait déjà plusieurs idées qu'on lui a lancées en vrac. Et du coup, donc là, je pense qu'on va pouvoir... Attends, la personne qui a déjà designé d'accord, donc, ça. D'accord, donc il y a une personne, on va dire, dont le prénom commence par un B. Non, vas-y, tu peux y aller. On sait juste qu'on va attendre. Parce qu'en fait, en gros, on a prévu un petit visuel qui montre aussi donc, les premiers traits, le crayon qu'il avait fait et son nom. Mais tu peux déjà c'est en parler. Ça. Bon, alors au départ, en fait, moi, j'avais une idée. Enfin, on avait tous plus ou moins un pool d'idées que j'ai soumis à quelqu'un qui s'appelle Ben l'illustrateur. Qui est très souvent d'ailleurs. Voilà, qui est très souvent sur le chat, en lui disant, bah voilà, on a telles idées, voilà, il faudrait, est-ce que tu crois que tu es capable de nous faire un melting pot de tout ça et d'en générer, on va dire, quelque chose qui doit devenir ensuite une figurine. Alors, quand on lui a lancé le truc, il a fait, ah la vache, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, bon, mais je vais essayer. Et puis au final, il a fait un croquis. Il a fait un croquis. Bon, alors après, pour lui, c'est un croquis. Pour nous, c'est un super dessin, mais pour lui, c'est un croquis. Et on va le balancer. Et donc, on peut le balancer. Allez, donc, c'est parti, voici, on va découvrir ensemble. Voici ce que Ben nous a pondu comme croquis. Donc là, vous voyez en gros quelque chose de très orienté peinture. On y retrouve tout ce qui fait, on va dire, l'ADN de notre univers avec un petit peu de fantastique, avec c'est une ça. Inspiration aussi de Game of Thrones. De Game of Thrones, ce petit dragon qui est en train de peindre est assis justement sur le trône de fer, sauf que celui-ci... C'est un trône de pinceau. Exactement. On voit aussi qu'au départ, il a mis sous les pieds du dragon un aérographe, un compresseur. Donc voilà, tous les éléments, on va dire, qu'on pouvait imaginer par rapport à la peinture. Et puis, moi, ce qu'on voulait vraiment, c'est qu'on sente que le dragon, il était pépère chez lui, quoi. Enfin, il était... je suis chez moi. Enfin, là, il a ses charentaises, c'est ça. Mais je suis chez moi, je suis en train de peindre Osef, quoi. Pour nous, ça représentait vraiment... Enfin, aujourd'hui, ça représente vraiment, effectivement, l'esprit peinture. Qu'on peut tous avoir plus ou moins quand on est chez soi en train de peindre avec notre petit matos qui nous entoure autour de nous et puis on est concentré sur notre figurine, il tire la langue, enfin il se concentre, etc. Donc franchement, quand il nous a sorti ce concept-là, on a fait... Je suis un peu déçu parce qu'on a retenu mon idée, parce que là, normalement, on voyait une couille. Oui, normalement, on voyait une couille et il y avait un vibro sur le côté, mais bon, c'est fin, on les a gommés. En tout cas, la première étape de ce projet, ça a bien évidemment été de faire un brief, de le confier à quelqu'un qui a l'habitude et qui va réussir à le matérialiser avec des traits de crayon, on va dire ça. Là, ça a été Benoît Boeuf, donc Ben l'illustrateur. Vous le voyez très souvent participer aux différents CDA. Ouais. C'est un illustrateur français qui est quand même assez reconnu dans ce secteur-là. C'est ça. C'est la personne qui a décidé la dernière bande d'Alchemy. Notamment. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui a un gros package derrière lui. C'est pas un novice, on va dire. C'est pas un novice. Et en tout cas, pour donner vie à ça, on a cherché quelqu'un. Et là, on est tombé sur Edgar. Edgar, ouais. Et c'est rigolo. Qui a pas du tout de talent et qui a jamais rien sculpté d'ailleurs. On est tombé sur cette personne qui, en tout cas, m'a semblé complètement au début. Sans l'avoir approché, il me paraissait tellement inaccessible. C'est ça, irréel. Quand tu vois le bagage de ce qu'il avait créé avant, c'est juste la personne qui a fait quasiment l'entièreté des Primarchs de Warhammer 30K. De Forge World, Et c'est lui qui a sculpté les trophées des French Wargames. C'est ça. Donc en termes de fierté, d'élection, on est là. Voilà. Arkhésis, balance le visuel. Allez, le premier visuel. Le premier, celui de la peinture, puisque vous verrez que voilà. Ça y est, il a affiché. Donc là, on est sûr. Donc là, voilà, à partir du brief, ce que Edgar nous a sorti. En plus, moi, j'ai halluciné, parce qu'on lui a donné le brief, je te dis une bêtise, le jeudi. Et le vendredi soir, il nous a sorti une première version, alors qui n'est pas tout à fait celle-là, mais qui est assez proche, quoi. Et le vendredi soir, il nous a sorti ça, quoi. Et honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, la traduction entre le concept et la réalisation... Il faut savoir qu'ils sont déposés pour pas que Game of Thrones se les approprie. Exactement, tout est déposé. Et en plus, l'esprit, on va dire, est respecté. Les proportions sont dingues. On a changé quelque chose, quelques petits détails, parce que par rapport à la sculpture, ou en tout cas aux contraintes techniques, on va dire même de la sculpture par rapport au concept, il y a des choses qui devaient être changées. Mais franchement... On retrouve le truc. Bon, il n'y a plus le compresseur en dessous parce que c'était compliqué. Il y a peut-être un peu moins de pinceaux, on va dire, sur cette version-là que sur l'autre. Mais au final, vous allez
pouvoir constater par vous-même un petit peu plus tard, mais enfin. Ça, j'arrive pas à mais, arrêter mon sourire de franchement, franchement. Je suis encore complètement sous le choc. Okay. Quand moi, j'étais le premier à le voir, enfin, Edgar était le premier à me l'envoyer, je l'ai envoyé à Ivy, mais en étant, mais ouais, sur le cul, quoi. Sur le cul, en disant, mais regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait, quoi. Et franchement, enfin, bon, voilà. Le chausson, il y est, le chausson. En fait, en tout cas, ce qui est quand même important, donc là, vous voyez donc, le trophée qui sera remis dépendamment des catégories des catégories. On en parlera un petit peu tout à l'heure, après, ouais, dans différentes grandes catégories. Il va y avoir un prix par chaque catégorie et un prix overall, donc une statue un petit peu encore plus grosse. Ouais, mais ouais, en tout cas, pour l'instant, pour la partie peinture, je trouve que le défi est relevé et accompli, ouais. Et réussi. Oui, mais on ne voulait pas s'arrêter là. On voulait pas s'arrêter là. Le fait est qu'en tout cas, pour la peinture, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on a voulu en fait, mettre en jeu sur le niveau français, aussi bien justement du prix que des personnes qui vont y participer avec les différentes catégories et ainsi de suite. Et c'était génial. Et comme tu l'as dit, on n'a pas voulu s'arrêter là. Ouais. On a aussi voulu que la partie jeu, ce que sera en fait les French Wargame Day, un événement, pour le coup, le plus gros événement de Wargame au monde. Voilà, tout simplement. Hein, mais à la limite, ça c'est l'ego qui parle, c'est déjà à l'échelle française en fait, vous permettre de profiter de cet événement-là et que aussi les personnes qui cherchent de la compétition et de la méritocratie à la win repartent avec un prix, avec une valeur par rapport à ça. Arkesis balance le prix du jeu. Le prix du jeu, qui est donc une déclinaison quelque part, puisque bon, on est parti pour la sculpture sur la même chose. Mais par contre, là on voit qu'il n'est plus en train de peindre. Il est en train de jeter les dés. Soit il est au casino, soit il est bon parce que c'est clair qu'il est là. Il y a combat. Et franchement, enfin, j'ai la main qui est visiblement attirée. Pendant ça, je vais répondre à quelques questions. Vous pensez garder ce personnage comme mascotte du FWD? Oui, en fait aussi, c'est ce qui a permis l'investissement en fait aussi des frais qui ont été engendrés par tout ça. C'est du fait que ça devienne quelque chose qu'on va pouvoir réutiliser sur les autres justement événements des French Wargame Day si jamais il y en a plus. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Par rapport à ça. Donc là, pour le coup, on a deux tailles différentes qui sont qui ne seront pas forcément en fait à la bonne taille parce que. Les tirages, on va dire, en résine, sont là en résine. On verra ensuite les tirages définitifs pour les trophées, comment on va les finaliser. Il y aura de toute façon plusieurs tailles, on va dire, selon le prix. Tu peux faire simplement le remettre. Qu'est-ce que je gagne? Attends, je suis calme. Est-ce que tu gagnes un bonbon? Non. Je veux que tu me fasses rêver. Le prix exceptionnel de 1€, c'est pour toi. Non, mon cul. Non. Je veux l'overall. Bon, d'accord. Vas-y. On accueille. Et donc on accueille Ivy ce soir pour lui remettre le fameux prix du Lord of Paint et les 1000€ qui y sont associés, ainsi que ce superbe trophée qui n'est pas du tout la taille. Mais bravo Yvick, c'est entièrement mérité. J'ai toujours rêvé de ça, déjà quand j'étais petit. C'est ça. Des fois on se moquait de moi parce que... Tu remercieras Claude Cabrol aussi. Parce que je ne savais pas peindre, parce que tout ça. Et aujourd'hui c'est un peu une consécration pour moi. Mais en plus par Nico Prime, merci infiniment. Mais de rien, c'est entièrement mérité. Donc voilà, plus sérieusement en tout cas, c'est une vraie fierté de pouvoir vous le montrer ce soir. On est sur deux personnes ultra talentueuses, la première qui l'a dessiné et la deuxième qui l'a sculpté. On est vraiment sur une vraie chance d'avoir ce genre de talent aussi bien en France, que aussi des personnes qui ont accepté en fait de monter à bord sur les French Wargame Day. Donc merci infiniment à Ben et merci au film. Et merci aussi bien sûr à Edgar pour avoir accepté de travailler dessus. C'est juste complètement dingue, on va les garder. Les résultats sont enfin, je vais me mettre comme ça pour le reste de la soirée. On vous les mettra peut-être en photo plus détaillée ou en vidéo un peu plus tard, de façon à voir un peu comme ils ont fait sur les Virtuzen avec la fabrication de l'épée. Là. On vous fera sûrement une petite vidéo là-dessus pour que vous puissiez mieux le voir avant le jour de l'événement. Yes, découvrir. Enfin, prétexter ça pour aussi découvrir justement le travail d'un concepteur en tout cas d'un sculpteur ici en 3D. En plus, j'ai la chance d'aller dans les bureaux de Edgar, dans son studio. Et c'est juste complètement dingue. Il a les tirages, il a les masters de figurines games des années 2000 à 2010. Non, mais il a un matos de ouf en plus. Enfin, c'est.
Vous verriez son installation, enfin, on a l'impression d'être dans un cockpit d'avion pour jouer. Ouais, c'est... Bah, il y a une photo que j'avais mise sur Insta et sur Facebook où on le voit, mais je suis pas sûr qu'on voit l'entièreté parce que je vous masquais la figurine. Non, on voit qu'un bout. En tout cas, il était en tout cas, on a discuté de faire un petit. On a hésité aussi longuement à vous teaser ça avec des rumeurs engine, à vous mettre que des petits morceaux pour que vous ne puissiez pas deviner. Enfin, puis finalement, on s'est dit non, allez, ils sont trop beaux, on va les montrer. C'est dingue. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez vraiment sur le chat, mais c'est ouf quoi. C'est super cool. Donc voilà en tout cas pour la partie justement des trophées. Hop, je vais les mettre en champ. Hop, je garde cela. Ouais. Non, tu peux garder celui de jeu, mais après, bon. Ensuite, on va parler mais justement aussi du jury. Du jury, oui. Enfin, du concours. Du concours en lui-même. On va se focaliser un petit peu plus sur les Mini Awards. Donc, d'ailleurs. Je reprends un petit peu le plan. Par rapport déjà aux Mini Awards sur les différentes catégories. C'est ça. Ont été publiés déjà le règlement il y a quelques semaines pour les personnes qui souhaitent s'inscrire. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps ou pas? Alors, il reste un peu de temps pour s'inscrire. Bon, sachant que bon, si vous venez, on va dire, le jour même avec votre création et que on va pas vous rejeter, on va dire que c'est pas le but. Par contre, si on demande... Merci, Sorel. Inscrivez-vous au plus tôt parce que nous, ça nous permet de gérer toute la partie matérielle. En fait. Logistique. Ouais. Logistique. Si personne s'inscrit et que vous êtes, je veux dire, une bêtise énorme, et vous êtes 300 arrivés le jour même avec votre figurine, on n'aura pas forcément les étagères pour les poser. On n'aura pas forcément les lumières pour les éclairer correctement. Donc, inscrivez-vous à l'avance. Tout est disponible sur le site. Le formulaire, etc. Je rappelle que si vous êtes inscrit à un des tournois, n'importe lequel du French Wargame Day, vous ne payez pas les 5 euros d'entrée pour présenter votre figurine. En fait, d'inscription. Voilà. C'est ça. Ensuite, si vous avez des questions sur le règlement de peinture ou si vous avez un doute sur la validité de votre choix ou choses comme ça, vous pouvez envoyer un mail à... miniawards@frenchwargameday.com. Et on vous répondra le plus vite possible. S'il y a besoin que vous nous envoyiez une photo pour qu'on puisse valider une conversion ou je ne sais pas quoi, pareil, sur la même adresse mail, vous nous l'envoyez et on vous répondra. Ensuite, sur le déroulement même, on va dire, du concours, ça va se passer. Ben, d'abord, vous allez déposer votre figurine. Donc, pour ceux qui participent au tournoi, ça va se faire avant les autres parce que il faut ensuite qu'ils aillent faire leur partie, on va dire. Yes. Et pour tous les autres, présentation détaillée du planning par rapport à ça. Et tous les autres, ça sera après. Ensuite, s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires dans le règlement ou qui vous semblent confuses, on est là pour y répondre de toute façon, donc il n'y aura pas de surprise le jour même si vous avez un doute. En tout cas, ce qui est important à retenir par rapport à ce fameux planning, c'est que l'entièreté des Mini Awards sera fait le samedi, pour que les personnes qui ne vont passer qu'un jour en fait sur Grenoble ou en tout cas sur l'événement puissent voir la remise justement des prix qui se fera à partir de 18h le samedi. Encore une fois, on publiera bien évidemment un planning détaillé et justement on pourra repasser dessus lors du live du mois de février. Par mais c'était important de le préciser parce qu'il y a beaucoup d'autres concours où ça se fait sur deux jours, c'est un jour où on le dépose et où le lendemain c'est la cérémonie. Là, tout se fera le même jour. Yes. Parle-moi du beau monde. C'est bien gentil de dire j'ai déposé ma fille, machin et tout, mais qui c'est qui va juger tout ça? Yes. Alors, Arkésis, t'es prêt? Ok, premier juge. Le premier des juges, c'est Maxime Penaud. Alors, si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir son Facebook. Donc, c'est Maxime The Secret Workshop. De toute façon, je crois que Arkésis mettra les liens de tous les Facebook de tout le monde après. Mais enfin, voilà. Honnêtement, il a gagné la dernière CLR Sword pour les Golden Demons. Il a gagné un prix. Je me souviens plus du nom. Un best of show dans un des derniers concours qui a eu lieu aussi. Donc c'est le prix de la meilleure figue de tout le concours. Et je peux vous dire qu'il y avait quand même du très très beau monde pendant ce concours-là et des très belles figurines. Donc franchement, c'est un peintre. J'ai envie de dire limite hors norme. Pour moi, c'est sans doute un des tout meilleurs, allez, je vais oser, du monde. Il a une capacité, une vision à voir les choses, aussi parce que sa formation initiale et son métier, en fait, c'est surtout d'être un sculpteur. C'est pour ça que sur la présentation que vous voyez des figurines, c'est des figurines qu'il a sculptées lui-même. C'est un prof de sculpture et
Donc le fait de sculpter les choses, peut-être que ça lui fait les mieux peindre à côté, je ne sais pas. En tout cas, enfin voilà, question renommée et question qualité de peintre, je pense que là... T'as pas parlé d'un de ses prix, c'est qu'il fait quand même un top 5 sur les Vertuzen. Il fait top 2, puisque il fait top 2 sur et les Vertuzen. Et ça nous permet donc, une parfaite voilà. transition pour avec le deuxième juge, Arkesis, voilà. photo, donc. C'est parti. Donc voilà, donc là on a Johan, donc pareil, multi Golden Demon, enfin etc. Et gagnant de Leverkusen de cette année. Donc c'est quand même, enfin voilà, on s'est pas foutu de votre gueule, hein, on n'a pas été chercher, voilà, enfin sauf pour le troisième, mais bon ça n'a pas fait. En tout cas, un pipou le hibou derrière, parce que bon, il fallait bien quelqu'un, mais honnêtement, on a quelqu'un qui est hyper pointu dans tout ce qui est couleurs, techniques, machin, etc. avec Maxime et en sculpture, si vous faites des conversions, des choses comme ça. Quelqu'un qui est hyper pointu, parce que, pareil, allez voir son Facebook à Johan, c'est quelqu'un qui va dans des détails, qui gère les façons dont il va mêler les éléments de sa figurine, etc. C'est, enfin voilà, je pense que là, enfin... On pouvait pas rêver mieux, en tout cas, dans... En termes des personnes qui étaient aussi voilà. disponibles, puisqu'on a eu des grands noms qui se sont portés et volontaires et qui ont en tout cas répondu oui. positivement à venir. Et en fait, après, alors, c'était plus un problème de planning, voilà, mais en amont d'événements. Alors, en tout cas, c'est déjà une grosse fierté d'avoir l'année prochaine. Voilà, ouais, c'est ça. C'était déjà top. Et enfin, comme troisième... juge, Pipou le hibou. J'ai Pipou le hibou. Non, moi non plus, mais en même temps, devant, ça aurait été un peu... C'est bien sûr. Nico Donc, ça sera Bibi qui va s'y coller. Donc, Nico en fait, qui avait plusieurs vocations, c'était aussi de représenter, en fait, par quelqu'un qui a fait des vidéos sur la chaîne, en fait, qui va ouais. aussi porter la voix de la communauté. La voix du peuple, c'est mais ça. Mais exactement, c'est... en fait. Ouais, c'est ça. Donc, bon, après, enfin, voilà. Je ne suis pas non plus un noob total en peinture, même si je suis très loin de leur niveau, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est intéressant voilà. d'avoir, en fait, tout, puisque même si on est sur un concours, en tout cas, de peinture, où ces juges-là font partie des meilleurs peintres internationaux, c'est intéressant quand même de ramener ça à l'ADN même oui. qu'on voulait développer, puisqu'on a quand même comparé ça à un Golden Demon. Et on se souvient quand même que parmi les Golden Demons, il y avait aussi des figurines de jeu. Et c'était ça qui était assez intéressant. Et donc là, normalement, en fait, avec ces trois membres du jury, il y en aura peut-être un quatrième, mais on n'a pas encore de réponse positive voilà. de sa part. Donc en fait, on ne peut pas engager de nom et ça serait de toute façon pas intéressant. En tout cas, pour l'instant, on va dire, la tripartie se répartit très bien les rôles, au moins au sein des juges. Et c'est vraiment chouette, en tout cas pour cette première édition des Minis Awards. C'est ça. Et puis en plus, on a chacun, on va dire, notre point fort, dont le point fort fait partie des critères qui sont marqués dans le règlement sur ce sur quoi va être jugé, on va dire, vos figurines. Si vous ne l'avez pas lu, allez le lire dans le règlement, mais il y a plusieurs critères qui vont faire, on va dire, pas la note, parce que ce n'est pas vraiment une note, mais qui vont déterminer, on va dire, la qualité de votre peinture. Et voilà. Et je pense qu'effectivement, autant que ce soit Maxime, Johan ou moi, on a plus des spécificités qui vont pouvoir jouer sur le global. Je m'étais proposé en tant que juge pour juger la taille. Oui, mais on a... Non, parce qu'en dessous de l'épique, on n'a pas trouvé. Pourquoi je me tape à la partie ? Oui, mais en même temps, c'est toi qui me tends le marteau pour... voilà. On va passer en tout cas à l'autre sujet. À l'autre sujet, oui. Avoir du beau monde en tant que juge... C'est bien. C'est bien. C'est bien. Mais si on a oublié un juge quand même. On a oublié un juge. Ah bah. Eh oui, puisque un des juges, en tout cas sur la figue globale, c'est vous. Puisque un quart de la note finale sera attribué par les votes du public. Donc ça veut dire que pour le grand gagnant de l'événement, on va vous présenter, on va dire, des finalistes et vous allez voter pour une figurine dans l'eau. Ça va se traduire par le fait qu'il y a plusieurs catégories, donc qui sont les Minis Awards, et qu'il y a une catégorie overall qui va reprendre justement les champions de chacune d'elles, les mettre ensemble pour avoir un plus gros champion. C'est ça. Et pour ce plus gros champion, on va retrouver donc Maxime, Johan, toi, et aussi vote du public, avec justement une partie de ce vote qui sera justement qui va faire un quart des votes, donc tout simplement. Donc ça, c'était le dernier, mais non des moindres, du jury. Ensuite, donc, on a parlé des personnes qui allaient être sur place pour l'instant. Johan, Maxime, toi. C'est ça. Il y en aura d'autres, mais ne pas être que juges, mais aussi acteurs de l'événement. Acteurs de l'événement, oui, parce qu'en fait, on voulait donc faire un concours, ok, mais c'est aussi... moi, une des raisons pour laquelle je veux aller ou je peux aller dans un concours, c'est aussi pour discuter avec les peintres. Avec tous ceux qui ont participé, mais bien sûr, des gens connus, même des moins connus, qui ont fait des belles réalisations pour discuter technique, pour poser des petites questions, etc.
Et là, on s'est dit que ben, il serait intéressant pour vous aussi d'avoir des grands peintres à qui vous puissiez poser des questions ou qui puissent vous montrer et donc faire des démonstrations de leur, on va dire, de leur art, parce qu'au final, c'est un peu ça. Et donc là, on a sélectionné pour vous. Je vois juste une question, j'y réponds. On pourra voter par Internet ? Non. Ça sera uniquement sur des votes de visu, c'est-à-dire les gens qui seront dans la salle. Que ça soit visiteurs ou que ça soit les gens qui jouent. Mais pas sur Internet, on a vu que c'était trop... subjectif. Controversable, on va dire. Donc voilà, uniquement de visu. Et donc on voulait que vous puissiez profiter de l'expérience et de ce que peuvent vous apporter des peintres expérimentés. Et du coup, on a réuni une petite brochette de gens avec des thèmes. C'est ta femme qui joue des bois ? Ah oui, c'est possible, pourquoi ? Non, mais elle est là. Ouais. Qu'est-ce que t'es beau, mon chéri ? Lilou, madame, c'est votre t-shirt qui porte. Voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé. Donc, reparle-moi un petit peu de l'animation. Comment est-ce que ça va se dérouler et surtout, qui on va avoir ? Alors, l'animation, c'est qu'il va y avoir en permanence trois animations, deux de peinture et une de modélisme, qui vont tourner au fur et à mesure des jours. Donc, on va commencer par le premier des noms. Alors, ils ne sont pas classés par ordre d'importance, de talent ou tout ce que tu vois. J'ai juste pris un ordre alphabétique. Comme ça, il n'y aura pas de... Voilà. Donc, le premier, Pic. Donc, c'est vachement par ordre alphabétique. Si, non, pas de nom de peintre. De nom du peintre. Oui, effectivement, excusez-moi. Oui, non, par rapport à les noms du peintre. Donc, Piggy Bog Workshop, donc c'est Elliot Abergel, qui est relativement connu sur Paris. Maintenant, je crois qu'il n'est plus à Paris, il est à Lille, je crois, comme ça, mais bon, peu importe. Et donc, il va vous présenter, on va dire, un atelier, une démonstration sur le thème de peindre des peaux exotiques ou des peaux extraterrestres. Donc, concrètement, vous allez le voir quoi ? Peindre des orques, des gene stealers, ce genre de choses pour justement comment travailler et donner un effet intéressant à vos peaux, etc. Pour vous la péter, en soirée, utilisez le terme carnation. Carnation, voilà, c'est ça. Vous gagnez en crédibilité auprès de Piggy Bob, vous avez fait sympa. Ta sympa ta carnation. Voilà. Comment as-tu travaillé ton pigment ? De carnation. Donc voilà. Donc pareil, vous pourrez retrouver le lien de son Facebook ensuite. Yes, on est voilà. Le deuxième que vous allez pouvoir voir, donc vous l'avez déjà vu, je crois, dans un battle de peintres dernièrement. C'est Girio de la Vida, donc Studio de la Vida. Qui, lui, va vous proposer un atelier, une démonstration sur comment peindre plus rapidement ou plus vite. Et je pense que... Pourtant, il y a des gens super qualifiés en termes de speed painting. Ouais, c'est vrai qu'en deux heures, c'était pas terrible ce qu'il nous a fait quand même. Attaquer d'entrée, une sorte de bataille. Voilà, une sorte de bataille, en rose en plus. Bon, voilà. Donc non, voilà, je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde en termes de pouvoir produire plus vite, on va dire, des résultats de qualité. Et donc voilà. Le troisième qui va venir, c'est Little Demon Studio, donc c'est Nico Désé, qui va vous proposer, lui, une démonstration sur la lumière et l'harmonie des couleurs. Donc comment poser vos lumières intelligemment de façon à ce que, justement, vos couleurs remontent en harmonie. Le quatrième qui va venir, c'est Keopsi Miniature, donc ça, on l'a vu aussi plusieurs fois participer au CDA, etc. En physique ? Non, sur oui, oui, oui. Alors, a eu un cadeau, enfin, quelqu'un ici a eu un cadeau de sa part, enfin, etc. Et lui va vous proposer un travail sur le noir et le blanc. C'est vrai que c'est des couleurs dont beaucoup de peintres se plaignent en disant « Ah, c'est super dur de travailler le noir ou le blanc ». Et bien là, vous allez avoir une démonstration complète de A à Z sur ces deux couleurs-là. Et enfin, le dernier qui sera présent... Et enfin, je me suis fait confisquer mon stylo, c'est dégueulasse. Et enfin, le dernier... Ah oui, stop beat, please. Désolé, les gens. Et le dernier qui sera présent, donc, c'est Fabrice Tran, qui va vous proposer un atelier sur le travail de la peau humaine, cette fois, et de tout ce qui est métallique. Donc, je pense qu'on a un bon petit panel, on va dire, de démonstrations et de techniques à venir. Alors, bien sûr, tout ça sera saupoudré de dilution, de choix de couleurs, etc. Pour tout le monde, c'est logique. Mais en tout cas, les axes principaux sont là. Yes. Faut noter que, en tout cas, ces différentes animations de démonstration seront réparties sur les deux jours, avec souvent plusieurs passages des mêmes personnes. Oui. Aussi, l'apparition, bien évidemment, du jury, où, hormis quand ils seront en train de noter, ils seront accessibles pour pouvoir poser des questions, prendre des photos. Ils ne sont pas dans le jury. Non, je te parle aussi du jury. Ah oui, oui, tout à fait. Oui, il sera là aussi. On pourra leur parler, bien sûr. Évidemment. Yes. On aura aussi, bien évidemment, sur place, Vincent Digo et David du monde de Creed, qui est avec nous sur le chat. C'était le point d'après.
qui va parler justement du modélisme. du modélisme. Voilà, donc on s'est dit qu'effectivement, plutôt que de s'arrêter à la peinture, on allait pouvoir aussi vous proposer des ateliers sur la partie modélisme. Et donc modélisme, eh ben, c'est quoi? C'est en gros... Tu me laisses jouer un peu, ouais, continue. Ouais. Donc en gros, concrètement, on va commencer par Vincent Digo, donc VD Studio, qui va donc venir avec sa table Résurgence, mais enfin pas que forcément, et avec qui vous allez pouvoir discuter sur comment est-ce qu'on conçoit et comment est-ce qu'on crée une table pour se faire une table de jeu. Alors bien évidemment, il ne va pas pouvoir en live vous construire une table, surtout sur un créneau de 3 heures, entre les découpes, le temps de séchage, de collage, etc., c'est techniquement pas faisable, mais vous pouvez toujours en parler avec lui, il n'y aura aucun souci. Excuse-moi, des très bons axes pour commencer une conversation avec lui. En fait, si vous avez certaines appréhensions à l'approche de certaines matières, par exemple, je sais que la sculpture, même au sein d'une table, d'un socle, peut faire peur, alors qu'en fait, le plâtre de modélisme, c'est très accessible et c'est très malléable. Ouais. On va dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Et tout simplement, si jamais vous avez une appréhension à l'approche d'une matière, n'hésitez pas à lui poser vos questions, il est très très riche d'informations et il aime surtout partager. Je réponds juste à Thomas Leroux, la frustration en tant que joueur de ne pas pouvoir tout ça. Alors oui et non, parce qu'au niveau des plannings, justement, c'est arrangé pour que, notamment au moment des repas, ou avant les games, après les games, etc., si tu te fais défoncer tour 1, tu pourras tout voir, il n'y a pas de problème. Mais vous allez quand même pouvoir voir, même pour les joueurs, en tout cas... Peut-être pas tout, mais une bonne partie, on va dire, des animations. On essaie aussi de les équiper entre une et deux caméras pour pouvoir justement rediffuser certains tutos. Certaines sessions, soit sur Facebook, soit sur YouTube, ça en verra dépendamment. Au niveau des peintres, de toute façon, ils seront équipés avec leur table de peinture, mais filmés en même temps, de façon à pouvoir être diffusés sur un écran, que même si vous êtes, on va dire, 15 autour de la table, vous soyez tous pas penchés sur... ou 150, allez, autour de la figurine, que vous puissiez quand même voir ce qu'il fait et ce qu'il dit, voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, le deuxième qui va venir pour la partie modélisme, donc c'est Mahar Prod, c'est Joseph Mahar, qui lui va vous montrer quelque chose qui peut aussi faire peur à beaucoup de peintres, c'est en gros comment je fais une conversion. Comment je coupe le bras de mon mec, je le colle sur un autre et je le raccroche en mettant un petit peu de green stuff ou des choses comme ça. Et vous aussi vous montrer une partie un petit peu sculpture, puisque pour le raccrocher c'est forcément avec un peu de sculpture, ou comment je fais une tentacule sur le bras de mon mec, etc., etc. Donc vous pourrez pareil poser des questions sur les techniques de sculpture, sur les outils qu'on peut utiliser, etc. Et à côté de ça, donc là vous n'allez pas avoir d'affichage, mais on va avoir David du monde de Crine qui va s'occuper de l'animation, on va dire, initiation peinture pour si vous venez avec vos enfants ou des choses comme ça, et il va s'occuper de leur coller un Space Marines dans la main, un pinceau, prendre 3 couleurs et leur apprendre, on va dire, les basiques de la peinture. C'est beau. C'est quand même pas mal. Ouais. C'est quand même pas mal. Mais c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure avec Manoué sur les différents modes de jeu. En fait, on a vraiment voulu qu'il y en ait pour tout le monde. Là, on a du sculpteur, du modélisme, de la peinture pure et aussi de l'initiation pour tout. En fait, on a parlé vraiment d'un événement tournoi / convention. Et il faut aussi pouvoir rassasier aussi bien les joueurs qui ont pas forcément, enfin qui veulent être dans l'univers et ainsi de suite, mais qui vont vouloir voir autre chose, que les visiteurs qui pourraient venir soit avec leur famille, ou en groupe d'amis pour passer un bon week-end. Et là, en tout cas, vous aurez de la matière pour justement pendant 2 jours vous occuper avec ça. Sans compter aussi les démonstrations sur jeu qu'on va avoir aussi bien sur l'univers de Game Workshop que sur TGCM avec du carnage et avec l'écosystème FFG, donc pour les différents jeux de Star Wars, que Mythic Game avec Super Fantasy Brawl, j'espère Rage Buster, parce que ça pour le coup, pour les personnes qui viennent de l'extérieur et qui veulent tenter un jeu très intéressant, c'est super cool. Enfin voilà, en tout cas, on est en bonne voie pour y arriver. Donc, au final, moi je remercie aussi, franchement, énormément les gens qui ont accepté de venir parce que, ils le font pour vous au final. Du bénévolat, parce que je tiens encore une fois à le préciser, il n'y a aucune de ces personnes qui est rémunérée. Donc, ça encore une fois, c'est très bien. Ils viennent pour vous, pour vous montrer des choses, pour vous apprendre des choses. Donc, au contraire, profitez-en, allez les voir, posez-leur des questions. Tu sais quoi, je te remets. Oh, premier. Alors écoutez, je suis franchement, je suis ému. Celui-là, je l'aurais jamais, ça c'est sûr. Celui-là, c'est sûr. L'autre, j'avais pas le droit de participer, ils m'ont dit que j'avais pas le droit. C'est pas juste, je pouvais pas participer au concours de peinture. Bon, sois en digne. Écoutez, merci. Écoutez, je remercie ma mère, donc Claude Chabrol. Et. En tout cas, on espère que ça.
enfin, ça vous fait plaisir et c'est, le but était là de toute façon, de vous apporter à vous quelque chose. Enfin, pouvoir rencontrer, moi je le répète, hein, mais rencontrer des gens, c'est aussi ce qui fait progresser en peinture. Rester dans son coin, etc. Si tu peux pas échanger sur... comment t'as peint ton verre là? C'est bizarre, je comprends pas. Enfin, et de pouvoir poser la question directement à la personne, c'est un gain énorme. Et même si vous en rendez pas compte immédiatement sur votre premier coup de pinceau, ça reste dans votre tête, ça va tourner. Et puis bah, la fois d'après, vous dites, ah tiens, au fait, il m'avait dit que... Un exemple tout bête qui me vient, moi, c'est le fait d'avoir vu beaucoup de monde peindre, avec justement la technique de pousser le pigment. Maintenant, tu peux le voir en vidéo, je suis désolé, ça rentre pas. Non, mais enfin, il y a beaucoup de choses. Alors... Enfin, les vidéos. Enfin, je vais pas critiquer le fait de faire des vidéos peinture, mais... non, mais enfin, vous aurez beau regarder 500 vidéos sur comment on fait du vélo, tant que vous serez pas monté sur le vélo, en général, vous ferez quand même pas la vraie différence qu'il y a au niveau du truc, quoi. Mais enfin, voilà. Donc, j'ai voulu faire la chose la plus géniale possible pour vous. J'espère que c'est un pari réussi, que ça soit au niveau des trophées. Je parle de celui-là, hein, pas celui qui est en dessous. Celui-là aussi. C'est celui-là. Que ça soit pour les animations. Et voilà. Je vais y répondre. On avait une question de Lionel qui est une société de beats et qui voudrait sponsoriser l'événement. Bien sûr, la liste des partenaires / sponsors n'est pas encore sèche. Ouais. Donc, tu peux bien évidemment directement me contacter, donc julien@frenchworkstudio.com ou alors directement sur le Facebook de la chaîne et on verra en direct comment t'intégrer à ça. En gros, en termes de méthodologie, on a une réunion hebdomadaire avec l'ensemble des acteurs tous les lundis et donc tu pourras avoir une réponse assez vite. Donc, si jamais tu nous envoies un dossier assez complet d'ici lundi, tu pourras avoir une réponse d'ici mardi, en tout cas une bonne brief par rapport à ça. On avait aussi des questions sur est-ce qu'il faut venir avec du liqui ou carte bleue. Les deux, mon capitaine. Les deux. Il faut savoir qu'il y aura une monnaie spécifique sur l'événement basée sur des jetons. Donc en fait, pour limiter aussi la présence d'agents physiques, que ça soit pour vous ou même pour nous, en fait, ça sera bien des jetons que vous pourrez échanger contre des consos et ainsi de suite. Et qu'on accepte pour l'achat de ces jetons aussi bien le liquide que les cartes bleues. Mais ça, on vous donnera beaucoup plus d'informations sur le déroulement détaillé et plus précis et plus sec aussi sur le live courant février. On a Mister M aussi qui nous rejoint par rapport à ça. Donc, il y a aussi, est-ce qu'on pourra acheter les... Non, désolé, il faut le gagner, sinon vous ne l'avez pas. Sinon vous l'avez pas. Et puis, y aura-t-il des revendeurs? Alors, il y aura une seule boutique qui regroupera tout ce qui est à vendre, on va dire, lors de l'événement. Tout simplement, ça évite que tout soit réparti et qu'il y ait 50 terminales de paiement aussi, ce qui est un problème physique, pour que les gens puissent payer. Donc voilà. Vous pourrez acheter des choses, maintenant dans une seule boutique. Yes, c'est un point de vente unique en fait pour plusieurs raisons. Tu viens de le citer, il y a la partie sécurité au sein justement des paiements. Et aussi, puisqu'en fait, on voulait aussi se prémunir de tout conflit entre les différents tiers qui pourraient venir. Et en fait, on a été très clair sur tout le monde, mais comme on n'arrête pas de le répéter, et c'est aussi pour ça que je suis très sensible, on va dire, aux différents intervenants qui acceptent de venir, c'est qu'on est sur quasiment que des bénévoles. Et c'est un pied d'égalité pour tout le monde. Il n'y a pas de « toi t'es meilleur, toi t'es moins bon, toi t'es plus petit », enfin, etc. Non, c'est tout le monde pareil. Et ça restera comme ça. Voilà. Yes. On est tous grands. Voilà. Écoute, il est 23h17. On a couvert l'intégralité des sujets dont on voulait parler. Je propose... d'aller se reposer pour prendre des forces pour demain. Exactement. Mais attends, de rester encore en ligne. Trois petites minutes, le temps pour moi, justement, de lire quelques messages. Au moment où tu arrivais, il y a donc 28 minutes, on a Alexis Lhuillier qui a lâché un gros don et qui a fait « Nico !» Merci infiniment à toi, Fluff Slayer. Ensuite, on a eu un message de Goldmec. J'ai adoré son message qui fait « Un live un jeudi soir, CDA le vendredi, ça a frappé à la porte. J'ai cru que c'était une attaque de zombies. Je l'ai bloqué avec une chaise par sécurité. » Et en fait, c'était juste madame qui demandait pourquoi est-ce qu'il y avait des provisions dans le bureau. Et ouais, Goldmag. Faut savoir que j'ai fini de dépiler aujourd'hui les mails du CDA. Il y en a 700. Il y a 700 photos pour demain. Donc, on sera en live avec Nico à partir de 14h et jusqu'à avoir vu 700 photos. 22h, il me semble que tu as dit. Jusqu'à 22h. Ah, j'aimerais. Et ensuite, on a eu un message de Ben l'illustrateur. Donc, Ben, le designer... talentueux. Merci encore infiniment à toi, Ben, d'avoir accepté de bosser là-dessus et aussi le challenge. D'avoir donné une partie de toi là-dedans, parce que le brief était difficile. Oui, ça, le brief n'était pas forcément des plus structurés, enfin, en tout cas par rapport au résultat final. C'était, prenez le même, vous l'éclatez en 10 000 morceaux et voilà. Et le message de Ben est « Merci les gars de m'avoir permis de m'exprimer sur ce projet. Bah, écoute, j'espère que ça ne s'arrêtera pas là, mon Ben. Et encore une fois, merci beaucoup. Et j'ai vu ta participation aussi au CDR. Alors, on a Soren qui nous fait, demain il y a le CDA, donc faut pas se coucher trop tard. C'est vrai, Soren. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une suggestion pour que tu viennes faire une démo de brossage à sec.
Et limite, est-ce qu'on te ferait pas faire une démo de body painting, brossage à sel? Brossage à sel. Ah ouais. Ouais, il y a des zones où ça va frotter. Ah, c'est un gommage. Ouais, c'est ça. On y va au typhus corrosion. Hein, <c'est... rire> Alors, Touk, on a Napal qui fait « Ah, si vous avez 5 minutes, en plus j'ai envoyé mon mail tout à l'heure, désolé, et tant pis si vous n'avez pas le temps. » Ouais. Écoute, je regarde, tant que tes photos sont renommées Napal, mais que t'es bien voilà. Sur 3 photos, il n'y a pas de souci, je t'y grefferai demain. Alors, question de Cédric, il l'a déjà posé tout à l'heure, mettrez-vous en vente des tapis de jeu, des suites, etc., comme pour le Fat of War 3, pour les joueurs inscrits. Alors, pour la partie suite, la réponse est non, on n'a pas prévu cette année, si tu veux, de pack premium. Parce que l'échelle ne le permet tout simplement pas en termes de stock, en termes de ça. Ça aurait demandé de faire des préco beaucoup trop tôt, en fait, pour les gens. Et donc voilà. Et il y aura des goodies certainement exclusifs sur le moment, tout ça. Mais aujourd'hui, ils ne sont pas secs. Et on préfère se focaliser sur votre expérience que la vente, tout simplement. Ouais. Puisque ça nous permettra déjà de prendre plus de plaisir pour vous, pour nous, d'assurer vraiment le coup et de pérenniser aussi, pourquoi pas, l'événement avec une deuxième édition si tout se passe bien. Mais pour l'instant, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire avant celui-ci. On a un message à l'instant qui vient de de Astellan TV qui fait pour Sanganus. C'était Sanganus ou c'est... Ah non, mais non, c'est Sanganus. C'est le vrai. Sanganus. Sanganus, en tout cas. Merci infiniment à toi, Astellan TV. Ensuite, on a le monde de Kryn qui est passé sur le chat, donc David qui était avec nous et qui fait « Bon, allez, bonne nuit les gars, et abusez pas sur le Red Bull ». Ah si, franchement, pendant 3 jours, là, ça va pas arrêter. Donc voilà. En tout cas, Kryn Painting, enfin, surtout le troisième, surtout le troisième. Qui fera tout à l'heure les démos. Excuse-moi. On a Marie-Ange qui est avec nous, putain! Marie-Ange! Bon anniversaire, Marie-Ange! Bon anniversaire! Non, ça, je veux dire. Non, tu me suis pas, bon, d'accord. Bon anniversaire, Marie-Ange. Donc, Marie-Ange, la maman d'Arkesis qui n'était pas avec nous au début du live. Ouais. Ça, c'est pas bien, ça, Marie-Ange. Vous avez habitué à mieux quand même. Votre fils ne vous a pas envoyé de message aujourd'hui parce qu'il pensait pouvoir le faire sur le live, Arkesis. Allez, viens. Je t'affiche, excuse-moi, mais tu dis à ta maman que tu l'aimes. Bon anniversaire, maman, bisous, je t'aime. J'ai cru qu'il allait faire un bisou. En fait, ouais, c'est ça, j'ai eu peur. Quand il m'a dit je t'aime, j'ai trouvé qu'il était un peu trop proche. Mais bon. Elle t'a dit merci. Donc voilà. Le chat là. Là, on est 530, là, les gars. Ouais, qui c'est qui dit bon anniversaire. C'est la mère d'un Wargamer, c'est la mère de tous les Wargamers. C'est ça. J'arrête avec ça. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter ici. Alors, Dorian dit, désolé, j'arrive seulement Game Workshop. Vous êtes-il financièrement ou d'une autre manière? La réponse est non pour le moment, Dorian, mais ça n'est pas de la faute de Game Workshop. Pour l'instant, on est bien évidemment à la recherche de sponsors, de partenaires, que ce soit pour les goodies, pour les lots, pour tout ça. Maintenant, aider sur ce genre d'échelle, c'est compliqué. C'est quand même un projet qui, étonnamment, s'est organisé en peu de temps, en moins de 6 mois. Et que pour une société de cette envergure, c'est des projets qui se planifient d'une année sur l'autre. Et que même si dans le meilleur des mondes, dans un rêve parfait, Game Workshop nous aurait proposé par exemple les tables, ça aurait aussi voulu dire recevoir 250 tables, soit à peu près à mon avis 2 tonnes de plastique, et je suis perso pas prêt à la recevoir. Non, au niveau des grappages, je pense qu'il y a des pinces qui seraient mortes. Bien sûr, donc les monter les pinces, tout ça c'est compliqué. Donc de toute façon, Warhammer Community est contacté à voir si on arrive à s'accorder sur quelque chose. Mais voilà, en tout cas, comme je l'ai répondu, Game Workshop n'intervient pas sur cet événement, mais ça n'est pas de leur fait ou d'une autre pour l'instant. On va voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble là-dessus. Tu as parlé de Game Workshop, mais il y a tout un tas d'autres éditeurs, fabricants et ainsi de suite liés, on va dire, au monde de la figurine. Exactement. Donc voilà les amis, j'ai pas vu d'autres questions. Au pire, n'hésitez pas, on sera demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Nico en live pour le choix des armes numéro 10 à partir de 14h. Un grand merci à Manoué qui est aussi venu justement pour pouvoir parler de tout ce qui va faire les scénarios, le règlement, toutes les petites questions. N'hésitez pas à rejoindre le Discord de French War Game Studio si jamais vous voulez plus d'interactions aussi bien avec Nico pour des questions de peinture. Oui, ça, ou même avec toi, c'est vrai que ça. On passe des trucs, etc., on discute, c'est vrai que discuter avec des... Enfin, on vous voit souvent derrière un pseudo, on va dire, derrière le chat. Et c'est vrai qu'en vocal, ou même dans les chats régionaux, enfin, savoir que, je prends n'importe qui là, mais... Enfin, ah ben en fait, il est à côté de chez moi. On a 15 jours de recul sur le Discord. Il y a déjà plus de 800 personnes qui sont inscrites dessus. Le Discord est divisé en différents chats, dont notamment les régions. Et ce qui est génial, c'est qu'en 15 jours, on a déjà des belles histoires qui sont créées entre les wargamers, puisque en fait, on a des personnes qui se sont déjà rencontrées, qui ont déjà fait des parties, puisqu'elles étaient quelques kilomètres. Pour l'instant, ça s'est bien passé. Après, bien passé ou mal, en fait, on s'en fout. Ça a déjà passé entre vous, mais oui, c'est ça. Non, puis même d'échanger sur des sujets différents, sur du lore, enfin, etc. Franchement, enfin, les échanges que moi j'ai pu avoir plusieurs fois sur le Discord en live, enfin en chat,
audio, franchement, c'était super sympa. Et puis même, là, il y a Pancake Studio avec qui j'ai échangé plus, etc. Enfin, voilà, on est là aussi pour vous, aussi sur le Discord, quoi. Voilà. Après, on n'est pas en permanence parce qu'on a aussi des choses à faire, sinon le French War Game Day ne se monte pas. C'est sûr. Voilà. Le Discord, c'est un gros piège. La dernière fois, je suis resté quasiment 4 heures dessus. J'ai pas posé. C'est pas loin non plus. Ça pop de partout, donc. Ouais. Mais c'est vrai que moi, l'autre soir, j'avais oublié de mute le micro, parce que j'écoutais comme ça, enfin voilà. Et il dit ah, tiens, il y a Nico qui fait de l'aéro. C'était excellent. C'est le fou. Ah, ouais. Sur la 0,15. Ouais, c'est ça. Oh là, c'est du bleu, là. C'est du bleu. Je le sens, ça crachote. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est sûr. Alors, on a Erwan qui nous pose la question. Est-ce qu'il y aura du cosplay Erwan? Pour l'instant, peut-être que oui. Peut-être que non. Mais peut-être que oui. Est-ce qu'il y aura de la patate? Peut-être que oui. Non. Peut-être que non. Ah, si. Non, avec du reblochon dessus, alors. Ah, bah. Est-ce que tu vois de la patate autrement, toi? Avec un steak, mais en dehors de ça... On présentera de toute façon une partie des menus aussi sur le live, ouais. Qui aura comment faire veiller. On va couper le live. Il y a aussi le site internet qui va être remanié prochainement, dès que je serai rentré, que j'aurai eu un petit peu de temps. Parce que c'est vrai que, comme beaucoup de choses étaient passées, qu'on les a juste empilées les unes derrière les autres, et au bout d'un moment, ça commence à devenir long. La page commence à devenir longue, donc je vais... Ici, c'est sur le scroll, en fait, ça va plutôt être en termes de section, que ça va se dessiner. Ça sera mieux organisé, donc plus facile à suivre, et notamment pour le fleuve qui va arriver de Pride. Yes, sur la partie AOS, c'est 40K à partir de fin de semaine prochaine. Est-ce qu'on peut coucher pour gagner? Bien sûr. C'est recommandé, ouais. Flub. Kickstart. Alors, c'est vrai qu'on a hésité au niveau de la peinture à faire un peu ce qu'il y a pour l'interrégion avec des prix de peinture pour les armées. Donc, sauf que les gars, pour 1200 joueurs, c'est pas du tout la même organisation. Déjà, c'est pas, faut pas être trois arbitres de peintre. Là, faut être au moins 8 ou 9, etc., etc. Donc, non, on a décidé de pas faire le prix de peinture sur les gens qui font le tournoi. Par contre, il est pas impossible que l'année prochaine, si tout se passe bien, il y ait un truc du genre Armies and Parade. Avec les plateaux et tout, voilà. Et une armée de petits dragons en train de peindre en chaussettes. C'est pour ceux qui auront pu en gagner plusieurs, éventuellement. Les autres, ils pourront pas. Ça aurait pas été trop glauque qu'ils soient en Charentaise avec des chaussettes. Non, les chaussettes auraient été de trop pour un dragon, je pense. Je pense que ça aurait été de trop. D'où les Charentaises. Ouais. Ou alors, il a fallu des petites mouches au-dessus. Alors, j'ai couché, je savais même pas qu'il y avait un truc à gagner. Mais ouais, mais je te comprends. Donc voilà. Voilà, les amis, on va couper ici le live. Je vais encore une fois remercier Manoué qui est avec nous pour la première partie de ce live. Toutes les personnes qui sont derrière les French War Game Day, la partie du Fat of War, la partie de la FEC et la partie de French War Game Studio. Merci infiniment. Et cet homme, remerciez-le aussi parce que personne ne le fait, donc je vais le faire à la place de vous. Bah oui, tu peux te le remercier tout seul, mais après ça s'appelle une branlette. Ça s'appelle une branlette si tu le fais tout seul. Donc un grand merci à lui parce que sans lui, déjà on n'aurait pas, on va dire, cette communauté ici. Et on n'aurait pas, on va dire, une espèce de locomotive qui nous traîne vers le haut tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Elle est petite, mais elle tire bien. C'est ça. Putain. Je vais peut-être pas dormir là ce soir, moi. Mais bon, bref. Je l'ai dit comme ça. Ça venait du cœur. Enfin, du cœur. Oui. Elle est venue comme elle va partir. Donc, encore une fois, merci à tous. Merci aussi. Et tu parles de FWS, mais merci beaucoup aussi à tous les tipeurs, à toutes les personnes qui font des dons. Encore une fois, juste tout ça ne serait juste pas possible sans vous. Vous verrez dans les prochaines semaines un nouveau type, un nouveau format de rapport de bataille avec plus de caméras, une meilleure qualité sur tous les niveaux audio, vidéo, physique. Oui, physique. Oui, non, c'est ton brushing. T'as changé ton brushing, faut le dire. Un grand merci évidemment à Arkesis, notre régisseur de la soirée. Un gros bisou bien évidemment aussi à Marie-Ange, sa maman. C'est encore son anniversaire d'ailleurs pour les prochaines 35 minutes. C'est ça. On vous fait à tous plein de gros bisous. On vous donne rendez-vous demain en live à 14h pour le prochain CDA. Et on vous dit donc à demain. Les Wargamers. C'est à plus normalement. À plus les Wargamers, à demain. Salut les Wargamers.